Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. La marraine. Lyon, comment tu me colles tes... Comment ? Elle me colle... Pourquoi elle me colle ici devant vous ? Comment ? On a l'habitude, non ? Allez, on dit quoi ? On dit quoi ? On dit que demain. Merci, Madeleine. C'est la Star Beauty, non ? C'est la Star Beauty qui fait le travail, vous savez. Nous, on ne parle plus. Maintenant, c'est les clients. Joana, toi aussi. C'est les clients qui parlent. Vous savez, le... Merci Yvette Solange à Bourbon. Vous savez que c'est toujours les débuts qui sont difficiles, mais après, quand le client est assuré et rassuré, après, c'est de bouche à oreille. On ne crie plus trop dans les réseaux. Il y a trop de jaloux. Hein? Il y a trop de jaloux là. Quand tu cries, ils ne dorment pas. On voudrait laisser les gens dormir en paix. Larissa Donkenga. Ah, merci Muriel. Merci, merci beaucoup Muriel. Merci. La Lyon, j'adore tes cœurs. Les gens croient que c'est des choses qu'on achète. Est-ce qu'on achète le charisme? On est avec ça. C'est Dieu qui te donne ça. Quand Dieu t'a déjà donné, tourne le dos. Le truc qui est bien avec Dieu, c'est qu'on rencontre au dernier jour. Quoi. Quand il a donné, c'est fini. Après, si tu t'en sers bien, tant mieux. Tu t'en sers mal, tant pis. Mais toujours est-il que il ne l'enlève plus. Hein. Il a déjà donné. Ah, Dankeschön, Juliette Brandy. Dankeschön. Ich bin so geboren, weißt du. Ich bin einfach so geboren. Tout à fait, Nicole Dissot. Bertelica. J'ai fait un post ce matin. Et okay, on est de nouveau aux États-Unis. Francesca, la Chicago Woman. La Chicago Woman, comment vas-tu? Qui veut le poulet? Oh, merci Madeleine. Merci Madeleine Gisèle. Ah bon, tu m'as vu où ça, au Deuil? Ou à Paris? Tu étais au Deuil? Mais vous quand même, les followers, là, quand vous nous voyez, dites-nous, non? Il y a une qui nous a vu en deux côtés. Il y a... Ok, comment tu... Je voulais dire la même chose. Mais je suis toi, tu es moi. Et on a fait le direct après. Mm-hmm. Elle dit dans le direct... Papa, non. Oui. Est-ce que tu vas aussi manger? Non, papa mange ce soir. Moi aussi, je mange. Papa a pris beaucoup de kilos. Papa mange une fois. Quoi? Dans le... De quoi c'est une dame ou une fille? Une dame. C'est une dame. Merci Nicole Bissot. Et la dame, tu étais en direct après. Mm-hmm. Elle dit, monsieur Messan, je vous ai vu à deux côtés. Dans une grosse... Je voulais m'approcher de vous, mais j'ai eu peur. Mais vraiment, vous êtes impressionnant. J'ai dit... Voilà que les bisodas... Voilà que les bisodas croient que nous sommes pareils. Il y a des gens qui se... Ah, au de la douane à la morgue. Ok. Quoi? Ah oui, Green Georgia. Green Club Georgia. Voilà ce que les enfants. Ah, ok, au de à la morgue. Hein. Que les enfants vont manger riz, poulet, sauce tomate, un ginger. Comment je n'ai pas toujours mon frigo? Mon frigo, on ne faisait que ça. Attends. Maman Guylaine nous a dit reposez-vous. Par là, le repos, c'est normal, hein. Allez, tout à fait Marlise, pendant que les soldats, la dame là ou la jeune femme a essayé, dit, mais monsieur, mais vous êtes. Mais la même chose pour la lionne. Hein. La lionne est venue au deuil. La lionne est venue au deuil. Elle s'est retournée, elle me dit, mais monsieur, mais ça vous êtes un bâtiment. Alors pardon, non, il ne s'est pas poney. Elle dit, mais parce que j'ai pris la lionne dans mes bras comme ça. C'est-à-dire, elle s'est sentie en sécurité, quoi. Elle dit, waouh. Elle me dit, waouh, mon papounet.
Depuis que les hommes me prennent dans les bras, j'avais pas encore ressenti cette sensation, ouais. La lionne dit, je ne m'étais jamais senti autant en sécurité. Pendant cet endroit, les Bissondia là, hein, qui racontent des conneries, mais bon, je voulais juste dire que quand Dieu t'a donné ça, il t'a donné, il n'y a rien à faire. Hein. Nadia Manga dit, il faut les légumes. Apparemment pour le plat des enfants. Non, ils ne vont même pas manger, maman, je crase maintenant. C'est bizarre, les enfants n'aiment pas les légumes. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas du tout. Ils sont comme leur père, j'aime pas les légumes. Ils n'aiment pas, maman, donc. Mais quand il faut, il faut. Il y a les légumes, d'ailleurs, il y a les carottes. Attends, je vous montre. Il y a merci, les carottes. Merci, Diane. Merci, Diane. Regarde, maman, il y a les carottes, mais ils ne vont jamais manger. Ah oui, Bertie, hein. Ah oui, Bertie. Ils ne vont jamais manger. Dieu donne une fois, Dieu donne une fois. Et quand il a donné, il faut juste gérer. Et une chose est sûre, tu vas rendre compte. Donc je sais, c'est pour ça, j'essaye de faire le maximum de bien, parce que je sais que j'ai des comptes à rendre. Les Bikok Bakana. Hein? Miracle de Dieu, les Bikok Bakana, c'est ça. Hein? Donc, vous comprenez que ce matin, j'ai mis un post. C'était ce matin ou hier. J'ai fait un post. Parce qu'on m'a envoyé, le Vox. On m'a envoyé le Vox. Et la personne m'a envoyé le Vox pour que je l'aime. Je lui ai donc demandé que toi, est-ce que tu n'as pas un Facebook? Pourquoi il faudrait que je l'aime? Ils me disent non. Quand ça passe par vous, il y a beaucoup plus d'audience, les gens écoutent. Bon, c'est les voix qui sont pas très très beaux, hein, vous savez, les gens sont méchants, ça il faut quand même le dire, faut dire. Les gens des fois ils causent avec vous et pourtant ils vous enregistrent. Et puis après pour donner à d'autres personnes pour faire, comment dire, du sale boulot, si je peux dire ça comme ça. Oui. Et en plus, c'est les gens qui sont très près, hein, c'est pas les gens de... Le père des humains veut chop la maman. Déjà, c'est là, comme ça. Là. Voilà que c'est. Chop là. Non, c'est la chop de toute une vie. Non, est-ce qu'on est pressé avec ça? On déguste seulement, non? Est-ce que je suis pressé? Eh, maman, j'adore pressé. Merci, Olivier Longchamp. Est-ce que je suis encore pressé avec ça? C'est la chope de toute une vie. Faut même chope ça doucement parce que j'ai l'impression que quand je chope beaucoup, là, c'est... T'as fait quoi? Elle est fatiguée. Et il ne faut pas que tu te fatigues. Hein? Vous savez, Elle a 48 ans bientôt. Hein? Dans 2 mois. Hein, vous savez, une femme de 48 ans... Faut pas trop la bousculer. C'est ça, Lia Chagom, le choc, le père veut dire choc. Non, pas après midi. Là, je venais seulement de me réveiller. Vous savez que moi, je sais me reposer. Là, je me suis levé juste pour aller chercher les enfants à l'école. Donc, vous imaginez que. Ah, ma maman, Guylaine Chapuis. Mais Guylaine Chapuis. Où ça, maman? Moi, je t'ai appelé. Madame Chapuis. Elle dit qu'elle nous cherche au téléphone. Non, c'est justement, je voulais te dire, regarde ton téléphone. Comment? Regarde ton téléphone. Il y a environ 1 heure, j'ai essayé de te joindre, non? Maman, je ne peux pas le mbongo, Chobi. Merci, Léa. Je ne peux pas le mbongo. J'ai essayé de te joindre, peut-être que tu m'as appelé entre temps. Tu as rappelé entre temps. Je ne peux pas le mbongo, Chobi. Le mbongo, ma soirée. Si, elle va avoir 40. Elle va avoir 48 ans là. Elle est jeune, elle est encore jeune comment? C'est un moteur qu'il faut commencer à bien entretenir. C'est-à-dire qu'une femme, qui a déjà, qui avoisine les 50 ans, faut. Nico Chou dit que c'est son goût. Le bongo qu'elle a vu là, je parle. Hein? Pendant, vous savez que quand vous passez au Cameroun, hein, justement, vous qui êtes là, dites-moi un peu. Dites-moi un peu, parce que finalement, je ne sais même plus comment faire. Quoi? Je mange une fois la journée, une fois. Une fois. Mais j'ai l'impression que le poids que j'ai pris au pays, là, ça ne veut pas partir. Ça fait quand même
C'est la deuxième semaine. Hein. Mm-hmm. Oh, ça fait deux semaines que nous sommes là. Mais j'ai l'impression que je mange qu'une seule fois. Le pain, la farine. Mais dites-moi, oui, le pain, la farine. Voilà. Nous qui travaillons, tu te réveilles tôt le matin. Je dois quand même déjeuner avec les amis à 9h30, 10h. Est-ce qu'il est interdit de prendre du croissant? Le croissant aussi fait grossir? Énormément. Mais comment tu peux prendre le petit déjeuner sans croissant? Je prends les œufs bouillis le matin. Comment tu prends les œufs? Que les œufs bouillis? Oui. Ça, comment tu vas tenir toute la journée? Il y a les biscuits. Moi, je prends deux croissants le matin. Ah oui, il y a aussi Ambiane qui dit la farine. Là, on va faire comment pour éviter la farine? C'est ce que je ne comprends pas. Quand tu prends ton café, moi, je prends le café au lait le matin. Donc, avec deux croissants, et je mange. Junior Moukoko, tu as quel secret? Dis donc, laisse-moi ton sport là, toi, je connais ton secret, je ne veux même pas entendre parler de ça. Ton secret que tu me dis souvent là, je n'ai même pas le temps de ça. Hein? Donc, à 9h, je prends le café au lait avec deux croissants. Et mon repas, c'est à 18h, 19h. C'est tout. Voilà, c'est que je voulais dire, où le pain noir? Tu prends le pain noir. Moi, j'ai mangé le pain noir, oui. Ok. Donc, quel gros? Il faut réduire les compléments. Voilà. Je lui ai dit ça. Mais, ok. Je lui ai dit ça. Donc, je vais voir donc avec le pain noir. Parce que de toute façon, c'est pour ça, je ne comprends pas. Parce que avant on m'a dit, c'est parce que tu manges le soir, tu n'as pas le temps de digérer. Mais j'ai dit que mon seul repas, c'est à 18h. Au plus tard, à 19h. Donc, je ne mange plus. Et le matin, c'est deux croissants et un café. Hein? Oui. Si c'est le cocotier là qui fait grossir, on ne fait plus. Si c'est le cocotier, dis-moi un peu, le cocotier fait aussi grossir, on va réduire. Non, ça peut maigrir. Dis-moi un peu. Si ça fait partie de. Non, parce que je ne comprends pas. Tu ne peux pas manger. Ok, Jean-Charlotte. Le pain complet. Ok. Je crois que c'est ce qu'on appelle dunkelbrot ici chez nous, non, le pain complet. Dunkelbrot, oui, c'est ça. C'est ça, non? Ok, tu me fais quoi ici? Donc quand je prends mon café, je prends le dunkelbrot. Donc quand je prends mon café, je prends le dunkelbrot, c'est ça. Hein? Yeah. Mais dites-moi maintenant, est-ce que le cocotier fait grossir? Sinon on va réduire la cadence. C'est un bon sport. Parce que je crois que la cadence là aussi, c'est... Hein? Est-ce que ça fait grossir? Vous voyez, quand je parle du cocotier, quand je vous dis que la femme, si vous ne la connaissez pas, quand je dis réduire, elle dit jamais. Jamais. Moi, je pense que tout ce qui en découle du cocotier aussi, est aussi tellement bien que ça fait. Ok, Marlise. Dit quoi? C'est le dunkelbrot. Le cocotier fait maigrir. Mais oui, beaucoup. Mais pourquoi je ne maigris pas? Donc ça veut dire que si je ne faisais pas le cocotier, je serais encore plus que ça. Exactement. donc ça veut dire que... Moi, j'ai fondu. Donc ça veut dire que dans l'histoire-ci, là... Moi, j'ai enlevé. Le cocotier, c'est le sport. Ok. Mon coco, tu as compris, non? Dans ton sport, là, vraiment, on fait du deux en un. Exactement, quoi. Justine. Justine a dit quoi? Si tu manges une fois et tu dépasses le nombre de calories, ça ne change rien. Ah, oui. C'est vrai en plus. Hein? Mais est-ce que vraiment les calories là, on va commencer à les compter comment? Hein? Good morning. Un vrai sport, non, Jean-Charles, vraiment, il n'y a pas le temps pour le sport. Yannick, on ne devrait dire rien sur le cocotier. C'est-à-dire, vous prenez même la défense de votre mamour, hein, parce que... Donc, si je comprends bien... C'est déjà prêté. Hein. Si je comprends bien, donc même si... Merci, conseil et renseignement, merci beaucoup. Maman Guylaine, tu es là. Calories bio. Donc même si je mange une fois la journée, ça veut dire que je prends le pain complet, comme vous dites là, à la place du croissant, à partir de demain, je prends le pain complet. Avec les œufs bouillis. Non, ça prend trop de temps, prendre les œufs du matin.
Je prends ma tasse de café avec du pain complet et je mange à 18h. C'est ça. Tu as mangé quoi à 18h? Justement, ça dépend de ce que je mange à 18h. Tu amènes. Moi, j'aime manger les pommes frites. Ça a trop de calories. Tu dois manger les légumes, le brocoli. Franchement, ce que je mange tous les jours, c'est. Il y a trop de calories. Hein? Il y a trop de frites là, il y a trop de calories. Oh, c'est ce que les Suisses ou les Allemands appellent le calbe. Oui. Mauvaise idée de manger une fois par jour, c'est le piège. Ok, il faut m'avoir cette fois par jour. Mais chauffe à Zahel. En Zibia. Pourquoi c'est le piège? Essaye de boire un jus de légumes. C'est vrai que moi j'ai un problème de transit naturel. Hein. J'ai une digestion très très difficile. Maman, je peux le bâton? C'est ce que je suis en train de faire aussi, ma fille Diane. Maman, je peux le bâton? Pas chauffer. C'est si, pas, si. Pas l'autre, non, mange d'abord. Ah, car le jeûne intermittent. Ça aide. Moi, j'ai commencé les légumes, mais regarde comment je suis en train de prendre. Attends. C'est compliqué. C'est-à-dire, hein, moi, le vrai régime, hein, c'est de ne plus aller au Cameroun. Ok, parce que le Cameroun, même le vent nous fait grossir. Là. Non. J'ai dit que même l'air du Cameroun. Parce que tu ne manges même pas. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que... Moi, ma façon de... Ça, mon corps est déjà habitué à un repas par jour. Hein, quel que soit l'endroit. Non, je pense que... Et que Jésus vit là, m'a dit manqué. Et que... Gisèle qui dit que je suis parfait comme ça, je ne dois pas charger. Ouais, que... Non, ça, tu dois prendre. Juste un peu, un tout petit peu. Comme un peu comme il y a 2 ans. Même Patricia, la BIC m'a dit ça. La BIC, on s'est vu le week-end. Hein. Ne faut pas ça. Enlève le pain, c'est à côté. Il faut manger les pruneaux. Hein. Le cocotier, Cédric et Boumou. Le cocotier est déconseillé après 40 ans. Attends, finalement, alors. Finalement, okay, il faut faire. Non, mais franchement. Tu as compris? Monsieur ou madame et Boumou. Depuis quand? Le cocotier est déconseillé après 40 ans. Compte, c'est là où le vrai travail commence. Ah ah. Tu as compris? Dudu Kalaba, c'est comment? C'est là où ça commence. Attends, Dudu Kalaba dit quoi? Dudu Kalaba dit Mamoun, ne prépare pas de maigres poissons comme les. Tu ne me pas la paix. Yeah. En tout cas, j'ai pris conseil. À partir de demain, à la place des croissants, je vais mettre le pain noir. Ma tasse de café et le pain noir. On va acheter le pain noir. Et le soir, à 18h, moi j'aime bien manger du tout caravane. J'aime bien manger. Donc il faut enlever les pommes frites. Ah oui, ça. Quand j'adore ça, moi. C'est ça qui te fait. Manger sans pommes frites, c'est un problème. Hein. Les croissants. Moi j'ai du riz. Le sucre. Moi mon riz, je l'accompagne aux pommes frites. Hein. C'est un peu ça le truc délicat. Manger sans pommes frites. Moi j'accompagne tout avec les pommes frites. Ah ça, tu as raison, Diane. Diane dit quoi? Tu n'avais pas réduit le complément. Ça devait être comme ton frère. Jaguar Press, il dit qu'il faut accélérer le cocotier. Ok, je crois que c'est un bon conseil. Ça. Je crois que c'est un bon conseil, je pense. Ouais. Par contre, je pense que ça, c'est le soir, il faut manger léger. Mais Marlise Ngam Noa, je ne mange pas le soir. Parce que moi, je ne considère pas que 19h, c'est le soir. Parce que quand on dit manger le soir, c'est vers le 21h, comme ça, 22h. Moi, 22h, il n'y a plus que de l'eau. Je mange une fois. Là, j'ai vraiment dégonflé et je continue. Maman. Légumes et poissons. Voilà mes légumes, non? Maman. Voilà mes légumes. Maman. Ça, là, c'est tout un... C'est un gros légume que j'arrive même pas à manger. Maman. Yeah. Voilà le légume, non? Merci, merci. Mais Eke. Maman, likez la vidéo, pardon, par raison. Merci, Eke, Jésus. Et que là, elle doit être Bassa. Pas Edouard, elle est Bassa. Ah, elle écrit très bien Bassa. Ça prend déjà forme, vous voyez. Le mbongo est
Vous voyez, non, ça prend déjà. L'histoire de l'eau tiède là. Qui c'est qui écrit l'eau tiède là? Quelqu'un a parlé de l'eau tiède là. Voilà, c'est Justine. Après chaque repas. Introduction de l'eau tiède. Mais on a essayé ça, on a dit c'est pas bon. Moi j'ai pris. C'est bon, va t'asseoir. Ah bon, quoi ça, maman? Donne alors le secret. Va t'asseoir. Elle dit quoi? Elle a pris les. J'ai dit, elle a pris les. L'enfant veut le chingom, on lui a donné, c'est bon. Non, non, c'est bon. Moi, je n'ai même pas le donner, c'est le papa. Dans que je suis Vivi Williams. Dans que je suis. Maman, t'as mis de poireaux et de poireaux noirs secs. Dans le bon goût. Tu peux mettre des problèmes. J'adore les commentaires de Juju Kayaba. Ok. Ouais, c'est le bon. Mais c'est pas. Tu peux mettre trop de problèmes. Juju Kayaba. Juju Kayaba au Calga. Au Calga, la déclaration. Il faut boire un verre d'eau chaque matin à Jean. Ce truc-là, j'ai fait ça, on m'a dit que c'est pas bon. Moi, on je m'a suis dit. Spécialiste du régime. Mamoun, ma jolie. 4 litres et demi. Appelle-moi alors. L'histoire de l'eau. Je vais t'en. Ok, Mamoun. Avec quel médecin on parlait la dernière fois au pays de l'histoire de l'eau? Il y a quelqu'un qui est rentré dans un régime d'eau où il buvait 4 oui. litres d'eau par jour. Ça lui a créé des problèmes après. Papa, on a dit que trop d'eau aussi, c'est pas bon. Papa, c'est un report encore. De... Elle répond grave. Tu vois pas la position là. Elle fait exprès. Hein? Vous ne la connaissez pas. Je vous ai dit que le jour où vous deviendrez une souris, une mouche. Pauline, c'est vous comment paluche. Tu veux quoi ici? Elle veut seulement sortir. Tu connais pas ta fille. Tu veux quoi? Donc tu viens elle seulement. Elle veut. Lave les mains. Lave tes mains. Tu viens seulement jeter ça. Tu elle, as fait de manger. Et elle a laissé le plat là-bas. Et après, le tu plat. Reviens encore pour le plat. Tu connais ta fille. Mm-hmm. Parce qu'elle veut seulement sortir. Maintenant, tu. Eh, ma fille Diane. Jusqu'à la fin. Martine est morte de rire. Ma fille Diane, merci. Lui-même, il est venu chercher quoi derrière, mais. Vous voyez pas la position là. Elle est terrible. Hein? Vous ne la connaissez pas. Il ne peut pas. Il peut maigrir avec la bonne. La bonne nourriture là. La bonne nourriture là, ce n'est que le week-end. Hein? Donc, alors, t'as vu les sols, elle dit qu'elle doit venir. Oui. Allez. Ok. Donc, elle la connaît bien. Donc, tu me connais bien, mais pourquoi tu t'es jamais présenté? Hein, Eke? Pose la petite. Donc, tu as une doco tienne. Hein? Martine, tu as vu la position de ta maman, non? Elle veut me réveiller les baissants, c'est devant vous. Monsieur, mais sans le regard de ça, donc je regarde. Ouais, les gens. Donc derrière mes lunettes, là, vous voyez mon regard. De vous à moi. Donc derrière les lunettes, là, mon regard. J'ai mis moins d'huile. C'est vraiment. Papa? Oui. J'ai mis moins d'huile. Attention. Oui, vous voulez quoi? Je ne mets pas trop de bongo, vous voyez. C'est. Hmm? Vous voyez. Tu manges quoi? J'ai mis moins d'huile, voilà, okay. On doit maigrir. Hein? Mais juste un peu. Restez d'abord là-bas. J'ai pas fait le gongo, l'huile est en haut là, non. Pourquoi tu viens manger ici? C'est ton truc. Fini de manger. C'est quoi? Okay. C'est quoi? Tu veux jeter quoi déjà? Là maintenant, on peut mettre un peu d'huile, ça peut faire. Mais je ne veux pas ça. Allez, vous asseoir. C'est-à-dire. Non, buvez de l'eau. On travaille plus même à la maison qu'au travail. Diane Angui, tu vois la position. Maman Louise va bien. Maman Jeanne Marceline. Maman Jeanne. Maman Jeanne, c'était ça. Maman Jeanne a vu mes yeux chez Régine. Elle dit, waouh, le type, c'est pourquoi tu mets les lunettes? Après, elle dit, attends, finalement. Elle dit, je comprends maintenant. Parce que j'ai dit, si une femme tombe, elle va.
Mamoun Jan, baissez. Mamoun Jan, après la veillée de samedi à Paris. Avec le pasteur. Le pasteur supérieur, on a continué chez Régine. Donc il y a eu after. Regarde ta position, tu ne veux même pas que je bouge. Il y a eu after d'enfer chez Régine. De 7h à 13h, on était là avec le pasteur, maman Marceline et puis Sylvain. Alors à un moment donné, quand on est en famille, à un moment donné, les lunettes tombent. Maman Marceline dit, c'est pas vrai. Mais je comprends pourquoi le type se met les lunettes. Quand je leur dis ça, maman Marceline ne comprend pas. Les yeux là, c'est juste pour la star. C'est gracieux que tu parles doucement comme ça. Vous voulez coudre les cabas, des belles tenues de soirée, aller chez Marceline. On dit qu'elle arrête aussi de bouger. Tu ne fais que bouger. Elle aussi, elle ne fait. Ta fille Martine te connaît. Elle est connue. Elle connaît tes micmacs. Elle est partie. Ta maman avait les micmacs. Le gros bébé de maman Luce. Maman Luce vient le voir. Elle aime le bébé de vous. Yeah, c'est sûrement que vous êtes tombé. Yeah, fait sur vous. Merci. Non, maman, elle est gracieuse. C'est grave. Oui, vous aimez ça. Regarde, on les commenter. You likez la vidéo. Elle fait le choix, non? 300 likez, 300. Je vous ai dit qu'avant que je ne rencontre la sœur, j'aimais les fitinini. J'étais dans les fitinini, comme les frères ivoiriens. Donc, je suis tombé là maintenant. Je suis tombé. Vous voyez, non? Vous voyez, là? Je suis tombé là. Mais c'est pour moi. Je suis tombé là sans glisser. Et je ne me suis plus relevé. Donc la glissade là, je suis resté par terre. Ouais, mais Kodia, toi aussi. Maman, quand j'ai glissé là, je suis resté par terre. Même le pasteur a dit ce jour-là. Oui. Le pasteur a dit, mais mon frère, pourquoi tu me mets les lunettes? Mais j'ai dit, ben. C'était le 2, mais c'était des très beaux moments. C'était des très beaux moments, surtout. Vraiment, c'était trop top. Comme je l'ai dit, il y a les gens qui t'aiment des fois, ils ne les connaissent pas. La femme qu'on appelle Jeanne Marceline, vraiment, elle a beaucoup d'amour dans son cœur. Je vous ai dit ça la dernière fois. Moi, je l'ai vu ouvrir la première fois. Mais la façon que cette dame-là, pendant 2 semaines, elle a pris les gens, m'a appelé. Quand le jus, mets le citron, faut pas sortir son cap. T'as vu voir quelqu'un. Quelqu'un qui s'inquiète juste comme ça là, qui ne voudrait pas que quelque chose de mal t'arrive. C'est la magie. Franchement, j'ai adoré, je dis merci. Hein. Cette dame, elle est adorable. Ah, la chanson de Bambara. La mienne n'est pas partie, elle est là, elle va où? Non, Jean-Marceline, t'as dit ton merci ne suffit même pas. Toi, tu es juste extraordinaire. C'est après que Nadège m'a bien expliqué. C'est Nadège après qui m'a parlé de toi. Vraiment, tu es adorable. Reste comme. Je n'ai pas besoin de te dire de rester comme tu es. De toute façon, tu es comme ça. J'ai vu Flore en a parlé aussi. Donc, en fait, tout ce monde te connaissait. Il n'y a que moi qui ne te connaissais pas. Quoi. Mais c'est une bonne. Mais nous, on parlait au fond, étant content au téléphone. Ok, mais c'est une bonne découverte. Tu es quelqu'un de bien. Reste comme ça. Oh, ma fille Black Beauty, comment vas-tu? Donc voilà. Le père derrière le cocotier. Bon, voilà. Là, je fais. Mon coco est là. Est-ce que mon coco est là? Je fais le sport. Est-ce que mon coco est là? Je suis en train de grimper. Hein? Comment? Je suis derrière ma chose. Vous parlez. Ma chose. Comment tu oublies? Je suis derrière ma chose, vous parlez. Je t'ai dit, moi, je vois. Ma chose, vous parlez. J'ai doté en ville, j'ai doté au village, j'ai doté en Europe. Je grimpe alors de pas vous. Appelez mon coco. Appelez mon coco. Imagine de faire le sport. Vous voyez, là, je transmis le village. Dans ton sport, là, c'est derrière. Il y a tellement de travail ici derrière que je grimpe. Je grimpe. Regardez le travail.
ça permet de libérer avant de manger le bobo. Ouais. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est ça ne dérange pas, non? Allez. Alors, Armel Alidi, vers mon corps. D'accord. Le logo, c'est comment? Ok, les Japonais sont aussi là. Le fan club est là. Il y a taille. Piment, c'est trop fort. Merci, Mickey. Merci. Nice. Au revoir, famille. Oh, le logo, merci. C'est la Star Beauty. Tu es en direct et c'est très sûr. regardez comment elle me pousse. J'étais ici. Céline Mamoun. J'étais ici, là. Elle me pousse déjà jusqu'ici. Vraiment. Il y a du boulot. Hein. Boulot. Nati. Souvenez-moi. Non. Nati, n'a pas aidé. Je vais bien. Ah, il y a du boulot. Hein. Maman Maria ne rit pas. Tu es. Eke, bonne question. Attendez, je vais certifier. Donc vous connaissez c'est ça? C'est votre maman. Votre maman est là. Elle a tout ce qu'il faut. Tu vas faire comment? Attendez, maintenant le bongo est fini. Regardez ce que ça fait. Le bongo est fini. Maman. Waouh. On dirait que je vais manger plus tôt aujourd'hui. Bref. Fan club, lis quelle phrase? Bon. Et comme ça, attends, on va. Attends, nous sommes déjà à l'eau gloria. Quelle phrase il faut lire, fan club? Voilà, on dirait qu'il veut manger plus tôt aujourd'hui. Hein. C'est vraiment vrai, c'est bien. Marie Chantal. J'ai pas mis trop d'huile, vraiment un peu. Mais non, ça c'est le plus. Quand je te donne une chance, tu vas faire comment? J'ai mis les genoux par terre. Tout le piment là, ils sont trop. Donc, quand tu vas manger ça. Bonjour Marie Chantal. Zouenten, hein? C'est Zouenten. Bien. Yeah. Non. Voilà pourquoi. Mais bien sûr, ma bonne amie, elle a mis tous les ingrédients. Est-ce que le pain pouvait dire, le pain ne pouvait plus. Comme disent les Allemands, c'était un des stations. Quand tu rentres dans les trams, là, ou les métros, sur les Allemands ou les Suisses, quand tu arrives à la station terminale, on dit aide station, allez où Stig. Ah, c'est les Suisses qui parlent. Hein? Oui, les Suisses. Là, ce sont les Suisses là, c'est pas voilà. Les Dutch et d'autres. Non, vous avez d'autres accents. Moi, Suisses, j'ai mon accent suisse. Les Suisses parlent. Je suis. Ostig. J'ai passé toute ma jeunesse en Suisse, donc je peux vivre en allemand, mais j'aurai jamais l'accent allemand. J'ai l'accent suisse. Nous, on dit aide station, allez où Stig. Ça, c'est Suisse. Donc, ça veut dire que dernière station, tout le monde descend. Donc moi, voilà ma dernière station. Voilà quelqu'un. Je crois que Myriam est aussi suisse. Hein. Elle dit voilà. Il y a aussi Marie-Michel, je crois que c'est une Suisse aussi. Je ne peux pas changer mon accent. Les Allemands disent Aussteigen. Ça, je sais, mais je suis suisse. Comprends, non? Je garde mon accent, même quand je leur parle. Ici, là, chez nous... Madame Messan, pour la personne nerveuse, c'est sûr. Merci pour les cœurs, Lolo Gloria. Ouf. Vous savez, le Suisse, quand tu rentres dans le magasin suisse, tu fais les courses, tu passes au niveau de la caisse, on type les produits, et puis tu payes, et puis tu dis merci, au revoir. Chez les Suisses, tu dis merci. Et nous, on fait une sorte de tautologie. Hein. Parce que quelquefois on dit merci Dankeschön. Merci Dankeschön. Mais eux ils disent après. Directeur assisté dit. Adieu. Regarde ce que le directeur assisté. Maintenant je vais mettre un peu de vinaigre blanc. C'était vrai.
Adieu, tu as assisté. Donc j'ai mis peut-être deux cuillerées à soupe de vinaigre. Adieu, tu as assisté, c'est Stan et ça qui t'a accouché. Donc chez les Suisses, je disais, tu dis. Donc je mets et je laisse comme ça pendant même 10 minutes. Henri Matigui, comment vas-tu? 10 minutes. Vinaigre. Merci, blanc. Merci Marie Chantal. Et. Le père n'a pas compris la Guinness. Je prends ma Guinness tout à l'heure avec le Mogo. Et qui? Quoi? J'ai tapé où? Je peux recommencer. Donc, chez les Suisses, quand on t'a servi, tu dis merci. Et c'est le merci français. Hein? Alors, dans les magasins allemands, aussi, c'est une habitude. Alors quand on me sert, je dis merci. Et des fois, elle me regarde bizarrement. Elle ne comprend pas. Je dis merci. Elle regarde. Elle ne comprend pas. Mais c'est une habitude. Quand tu vas vivre un peu, pense à... Quand je vais un peu, je pense toujours à tous les chômeurs et à tous les célibataires. Ça, c'est quelque chose, je ne sais pas pourquoi. Merci, merci Darrell Macron. Macron, c'est Macron. Non, c'est beau l'amour, de toute façon. Une chose est sûre, ce que je vis, vous savez, les bonnes choses, on voudrait que tout le monde vive ça et qu'on comprenne la joie. Ah, voilà ma soeur Bicoque qui est là. Okay. Xavier. Ah. Xavier, elle est là. Quand une Bicoque est là, on voit, non? The King. The King. Donc quand vous habitez la frontière, là, ces cultures-là, c'est terrible. Hein? C'est-à-dire d'un état à un autre, on vous dit que vous parlez allemand, mais c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Non, mais de plus en plus, quand même, les Allemands frontaliers comprennent certaines expressions suisses. Comprennent. Surtout le adieu, là. Moi, ça m'avait traumatisé. Tu entres dans un magasin, tu finis. Adieu, c'est dit adieu pourquoi? Et chez les Suisses, adieu, ça veut dire que à nous revoir. Et pourtant, chez nous, les francophones, adieu, ça veut dire que vraiment, comme j'ai un peu dit, adieu avec les soldats, là, quoi. C'est le vrai adieu, quoi. Mais chez les Suisses, c'est pas ça. Chez les Suisses, adieu, ça veut dire que à la prochaine, à plus tard. Merci. Ouh là là, c'est un nom compliqué. Hein. C'est la main d'or. La main d'or deux fois. Donc, c'est ça. C'est quand vous on avez, t'aime aussi. Quand vous avez deux cultures, il y a 12 ans, il y a 15 ans, quand il fallait que je fasse... Quand il fallait que je fasse venir ma femme un peu vers ici, parce qu'elle avait sa mentalité de Francfort là-bas, quand il fallait que je la fasse venir ici, c'était pas facile. Hein. Attends, je vais un peu dresser un peu. Il fallait qu'elle vienne un peu de ce côté pour... Y a une dame qui demande pourquoi le vinaigre dans le piment. Ça permet de conserver le piment longtemps. Longtemps, ça se gâte pas. C'est quoi la question? Ah voilà. Ça aide à la conservation du piment. Voilà, le vinaigre. Essayez, vous allez me dire. Merci de King Onana officiel. Je ne fais que ça, non? Oh, ma femme de Facebook est là avec les cœurs. Ma femme de Facebook est là avec les cœurs. Ma femme de Facebook est là, la bio. Mon étoile de Noudi. Jusqu'à la dame. Mon étoile de Noudi. Ma baganté bio. La baganté bio. On va seulement faire avec. On va seulement faire avec les bagatés. Vous allez faire comment? C'est le cœur qui parle, non? Quand le cœur a déjà parlé, on va faire comment? Sophie Ngongui. Elle dit quoi? C'est ta bête. Exactement, c'est ce que je vois. C'est le cœur qui parle, on va faire comment? Banalo. Mais aujourd'hui, je mange plutôt. Hein? Mon Dieu, regardez le service. Comment tu peux ne pas manger? Attends, j'ai pas fini. N'incline pas. Ah, Chandumbik. C'est la magie.
C'est trop bon. C'est trop bon. Comment je vais faire pour attendre 18h? Mais pourquoi attendre 18h? Pourquoi tu attends 18h? Pourquoi tu attends 18h? Cédric et Boumou, vous venez d'apprendre quoi? Venez dans le piment. Les mamans les connaissent. De King Onana. Merci mon petit. Ça veut dire que tu ne me fuis pas, maman. C'est... Ça c'est le... Priez beaucoup pour que Dieu vous donne de bonnes femmes. Ça va rallonger votre vie sur terre. Ça va rallonger votre vie sur terre. Quand tu as une bonne femme. C'est pour ça le problème de mon frère Aïdjo me dérange beaucoup. C'est quelqu'un que j'ai rencontré ici plusieurs fois. Quelqu'un de très sympa. Et c'était l'époque où au niveau de la Suisse, on bougeait beaucoup. On bougeait beaucoup dans des événements de sport. On voyageait, on allait à Genève, à Zurich. On avait nos tournois interafricains, quoi. Donc, entre nous, les Camerounais, les Ivoiriens, les Congolais et tout ça. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Attends, je vais manger comme en Afrique. En Afrique, on fait comme ça. Mm-hmm. On t'avait tourné la caméra. Ouais. En Afrique, on fait comme ça. En Afrique, on fait comme ça. En Afrique, on fait comme ça. Il a goûté. Il a pris goût, c'est bon. C'est trop bon. Ouais, j'ai un peu de piment, non. J'ai mis un peu de piment. C'est trop bon. Tu vas me donner. C'est mon choix. Allô, Alpha. Mince, je voulais attendre. Ta petite soeur au travail. Je voulais attendre 18h. On va venir nettoyer mon foyer, ça va. Ça va devenir trop. Rêve. Mais attends, je te sers, non? Est-ce que c'est ton plat? Non, c'est pas le mien. Tu peux manger comme debout là. Ça a le goût, le mbongo là, c'est la chima. Excusez-moi. J'ai pas l'habitude de manger devant vous, mais là. Le mbongo là, c'est. Ça fait combien de temps que j'ai pas mangé le mbongo? Tu as mangé au Cameroun, maman fait le bongo. C'est ton bongo? Mon bongo, oui, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de bongo dans cette maison. Bien sûr, ok. Rêve du quoi? Ouais, grand frère. Mais confirme la femme qui est à la maison. Ma petite soeur, t'inquiète. Vainakun, Yézine Suzam. Vainakun, Yézine Suzam. Ta soeur t'attend. Et que. Bon appétit, hein. Tu passes toi un peu de piment, ça va. Piment, ça va. J'aurais voulu plus, mais tellement c'est bon, je veux qu'on m'arrête. Attends, alors je finis. Ça fait 10 minutes quand même. Mange. Doigté culinaire. Est-ce que tu doutes? 10 minutes. Maintenant, on met un peu d'huile. Ouais, grand frère. Attends. Maintenant, on rajoute un peu d'huile. Ça peut faire même 6 mois. Au frais, on va pas se gâter. Le piment est très fort. Le médecin m'a dit de prendre toujours un peu de vin quand je mange. Le vin rouge. Le vin rouge. Tu sais. C'est pour ça. Un peu de piment, il est fort, en tout cas. Tu peux avoir mon verre de vin. S'il te plaît. Je ne peux même plus m'asseoir, ça veut dire que je perds le temps en allant m'asseoir. Un bisou. Hâte. Mon Dieu. C'est-à-dire, hein? Aller m'asseoir me prend même du temps. Je finis ici avec. Waouh. Waouh.
Je demande, la mouche là, elle est seulement, c'est seulement la jalousie. Parce que chez lui aussi m'a regardé. La mousse là, c'est seulement la jalousie. Mais je ne vois même pas de bon appétit. Hein. Non. Quoi, c'était la mousse là, c'est autre. C'est le poisson. Oh. Voilà une mousse que les Bessondia ont envoyée pour nous perturber. Tiens. Hein? Merci Sylvia. Oh, attends, je vous un peu ici. On va sortir. Look at, this. Les femmes comme ça, on va les trouver. Vraiment, je plains les sœurs des célibataires. Voilà, sortez. Le poisson. Merci Sylvia. Merci de King Onana Official. Merci Josie Mbembi. Comme j'ai mangé avant, même le cocotier, c'est là avant. Allez, Michou, j'ai écrit bon appétit depuis. Mon Dieu. Oh. Merci, merci, ma soeur. Merci, ma fille. Allez, Michou, c'est comment? Mon Dieu. Comment va maman Karen? Tu as mis quoi dedans? Le secret, il faut que je garde encore plus de séduire. Garde encore plus de séduire. Vraiment, tu n'as pas résisté, hein? Tu as fini mon plat. Putain, mais ça. Oh, ouais. Mais quoi? Maman, ça ne fait rien du tout, Aline. Je t'assure que je fais ça, je suis dépassée. Je vais juste mettre les rideaux là. Mettre ces hommes. C'est ma fille qui devait faire ça. Oh. Bien envie de direct d'excitation. Mais mon c'est... Dieu. Attends, un peu de mouche là. Va là, attends. Oh. Maman, ouvre là-bas. Les mouches là, c'est des mouches que... C'est les mouches que les Bessondia envoient. Ça, c'est pour les mouches, non? Ça, c'est pour les mousses. Ils évitent ça, ils viennent ici. Maman. Oui. Papa, l'envie de donner le truc, quelque chose pour la mousse. Oui, on a amené ça au Cameroun. T'as laissé ça au Cameroun, maman. Maman, pourquoi t'as... Non, un bon grimpant s'impose, puisque... Puisque une bonne sieste s'impose. Non, c'est... Mais je n'ai pas encore... C'est moi, alors. C'est ça encore. Mais c'est... Okay, ça, c'est l'avant vous seulement. On est dans le même place. Mmh. Tu ça, hein? S'il te plaît. Ne touche pas à mon plat. En attendant que tu me sers, je mange. Je peux pas m'arrêter. Non, non, tu vas dire, ne touche pas à mon plat. Non, on sert comment? Le temps que tu fasses des bâtons et tout ça. Mais je te sers dans le même plat, alors. Il n'y a pas de problème. Ah, alors, j'ajoute cela. Maman, tu vas faire la bombe de bois. Problème, okay. Tu. Donne à l'autre. Après, tu vas manger. Ose même prendre le plat, là, ça va te déranger. Tu veux boire quoi? Je vais faire d'abord ces deux bois. Vous avez déjà fait les devoirs? Donne-moi ton plat. Est-ce que vous avez fait les devoirs? Oui. Donne-moi le plat avec tout ça. On va faire les devoirs. Bon. Il n'y a pas de d'autres plats, on mange dans le même plat. Non. N'est-ce pas Myriam Douala? C'est le même plat. Non, ça c'est... C'est clair. Daryl. Tout à l'heure, obligé, une bonne sieste s'impose. Ah, mamma mia. Mamma mia, regardez ça. T'as mis ça. Bon poisson. T'as mis ça. Si je t'avais pas épousé, moi je sais même pas comment. Le bon poisson de Youpé. Je sais même pas comment les gens qui me regardent là font. Hein. Parce que vraiment, si moi aussi je regardais comme ça, j'allais passer quelquefois de mauvais moments. Hein. Parce que vous qui vivez ça derrière l'écran, c'est difficile. Hein.
grande frère. De King ou non, est-ce que tu es dans les bonnes choses? Là, t'assois, moi. Amène ça là. Là, tu manges bien. Hein? La belle quand même dit que je cherche même quoi dans ce direct. La belle go quand même. La belle go, hein, c'est la belle go quand même. Je cherche quoi dans ce direct? Tu cherches le bon bongo. Mon Dieu. Mon Dieu. Les bâtons, c'est ma mère. Le bongo. C'est ma mère, petite soeur. Je suis trop gâtée. Ça, c'est ma belle-mère. Elle nous a gâtés pour le bongo au moins pour un an. Le bongo que je vais emballer, là. En tout cas, ouais, frère. Ouais, je ne vois même pas ton message. Il y a maman qui a fait un long message. La fait descendre. Attends. Onana, tu arrives ou ne viens pas? Onana, pardon, ne viens pas. Je n'ai pas besoin de visite en ce moment. Surtout quand je mange le bongo comme ça. Un bon vin. Non, moi, c'est le blanc, mais comme toi, c'est le rouge qui est bon en ce moment. En tout cas, vous êtes. Pendant que tu lis les messages, mange. Merci, Alette. Malice dit comme nous. Déjà, ben... tu m'as envoyé à salir mon chat. Où est ton mouchoir? Tu vas... Attends, tu dois... Je transpire. Tiens. Je transpire. Tu m'en l'as fort, hein. Ah ouais. Tu m'en l'as fort. Ah ouais. Tu m'en l'as. Tu m'en l'as. Bon, ça va être posé. Tu vas pas m'en. Tu as dit le piment, là. C'est pour ça que je ne parle pas trop. Non, je te pose ça ici, tu manges. Papa, il va bien mal. Il mange debout là-bas. Papa, tu dois manger, t'asseoir. Oui. Tu dois t'asseoir. Papa, tu dois t'asseoir. Oui, je veux m'asseoir. Ok, bien. Ah, c'est pour lui. Papa doit s'asseoir. Je vais poser. Okay. Merci, Marianne. Papa, tu peux mettre... Ok, prends ton téléphone alors. Papa, ça là-bas, tu peux maintenant t'asseoir. Papa, tu peux maintenant t'asseoir. Attends, confinement. T'es fort, hein? Maintenant, c'est pour toi. Ok. Ça, c'est pas papa téléphone. Papa, c'est ton téléphone. Attends. Maman va faire. Maman, maintenant, tu manges. Ok, maman. Pas moi. Attends. Non, pas manger. D'abord, tu peux mon devoir. Ouais. Oh, tu veux le bâton? Maman, t'as pas donné nos bâtons. Oui, je vais faire les bâtons. Yacouba, tu ne peux pas me bloquer. Yacouba. Merci. Yacouba, si tu me bloques, tu vas vivre comment après? Ok, marche le test. How's that been? Tes bâtons sont fous. Et en bas? Tu ne peux pas aller trop manger comme ça. Papa, t'as déjà une grosse bande. Mais laisse papa. Allô? Vivi William, non, non, on n'ouvre pas la porte. Non, à l'heure ci, hein. Zéro ouverture. Je finis de manger et on va ouvrir la porte après. Hein? Ça convient là-bas, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous voulez, bâton? Les enfants adorent les bâtons, c'est grave. Hein? C'est pas grave. Je sais pas ce qu'elles trouvent sur le bâton, mais elles adorent les bâtons. La sieste va se passer ici, là, au canapé. Au salon. Comprenez, non?
La sieste, la félicite. Marie Chantal. Mm-hmm. Elle dit que ma salive fait seulement la tuer. Ouais. Ah, Marine, nous bon là, nous. Donc, toi, tu manges ici. Elle est là-bas, là-bas. Si je pouvais passer ça à travers l'écran, je le ferais. Hein. Mm-hmm. Marie, comment il y a le bobo? Je vends. Elle voulait expliquer comment faire, non? Tu vas payer ça. Tu es quoi? Marie-Noël, les cheveux coupés lui vont très bien. Moi-même, je ne savais pas, mais je le découvre au jour le jour. Pourquoi tu mets ça là-dedans? Parce que tu dois le passer. Merci. Parce que tu dois le passer. Parce que tu dois le passer. À la vôtre. Tiens, ça c'est ça. Je suis là, tu peux me donner. Merci, mon bébé. Parce que t'as peur. Maintenant, tu es. Oui. Oh, ma belle. Non, le bonbon, c'est lui. Papa, ça. Ok, il faut briser, il faut briser. Il y a quelqu'un qui veut briser le téléphone pour rentrer. La façon dont tu vois le bongo là. Non, c'est... Les femmes vont aller faire le bongo demain. Papa, ça c'est le bongo. Oui. Oui. Elle vous a donné la recette, non? Il faut seulement faire pour vos gars. Catherine Chou, comment vas-tu? Elle m'a mangé le bongo avec les boulets. Non, non. Tu as fini de faire tes devoirs. Non. Merci Marie Chantal. Arrête de faire ça. C'est pas le chouin. Ma Catherine Chou, ça va? La convalescence? Je comprends pourquoi quand je pars au pays, mon poisson frais. Non, mais je comprends pourquoi on a amené trois valises de 32 kilos. Hein? Au début, je comprends pas, mais après, je comprends. Bon appétit, maman. Bon appétit, papa et maman. Merci, bébé. Merci. Janice Fissier dit qu'elle va couper ses cheveux. Ok, Catherine Chou. C'est bien. Dieu au contrôle, ça va aller. Pas trop de sel. À point. C'est-à-dire. C'est bien d'avoir de bonnes femmes. Je ne vous mens pas, c'est bien d'avoir de bonnes femmes. Quand tu es une bonne femme, tu es tranquille. Mmh. Hein, Christian Dior? The King va faire le bon goût de... Et qui va faire le bongo demain? Non, c'est surtout avec les bâtons. C'est juste bon, quoi. Choisissez. Après Noël, là, tu sais, on peut faire un choix. Mais il faut mettre ça entre les mains de Dieu, quoi, pour faire le bon choix. Faudrait que Dieu guide les hommes dans leur choix. Et même les femmes. Hein. Non, arrête de faire ce que tu fais. Arrête ça. Et même les femmes. Parce que la femme ne devient meilleure que quand elle a un bon mec. Vivi vient de faire sortir le poisson. Mamoun, j'attends les photos. Tu m'envoies la vidéo, je vais poster. Maman, ça sent quoi? Merci, ma petite Thérèse Mengue.
Comment vas-tu? Toi, mets-toi la poubelle. Non, ça ne va pas rester dedans. Quand c'est fini, quand tu as la maison, tu vas vider. Ok. Janice Fischer demande si tu n'as pas de petite soeur. Qui? Est-ce qu'elle est comme toi? Oui. Tu as la réponse. Oui, elle est bonne femme. Venez me voir. Merci Noël Brunel. La crème de Dieu doit être culinaire. Et elles sont belles. Amen, amen Chantal. Elles sont intelligentes. Ah. Quoi? Amen Chantal. Vous voulez voir la maman? C'est elle qui s'est mangée. Mon Dieu. Je crois que je me suis servi au moins deux plats. Là. Vous avez vu, non? Regardez la grosse tête là. On la mange comment? Bien même. Celle-là, on la mange comment? Merci Bada. Bada Acha. Maman. On la mange comment la grosse tête? Quoi? On la mange comment? La grosse tête. Mon Dieu. En tout cas, je dis merci à Dieu. Déjà pour se manger de cet après-midi. Et pour la femme qu'il m'a donnée. Qui va aider tes soeurs? Tu peux avoir ton papier. Vivi dit que la tête là, on la mange avec les doigts. Avec les doigts. Merci Suzanne Golibobi. Madame, mais ça m'a dit qu'on aime te voir manger. Bon, vous allez la voir manger. Moi, le voir manger. Ça donne pour manger la tête. Avec les doigts. Oui. Je ne sais pas faire ça. Papa, est-ce que c'est moi qui vaut le bongo? Je suis en train de manger le bongo. Avec les mains. Ben, maman mange. Je vous assure, les mamans, franchement, c'est très bon. Maman, il s'est fait comme ça. Ok, de King, Onana. On va en parler. Oui, c'est oui, ma vie. Il va ouvrir une entreprise. Noël Brunel, le bongo est le... C'est le Ryan Neville de la poupe. C'est le higher level de la bouffe. Non, reste où tu es. Là, tu veux déranger. Attends, non. Le mbongo, c'est le haya. C'est-à-dire, quand tu veux manger. Tout ça, là, il faut mettre ça dans le sac. Avec appétit. Maman, ça, c'est le bâton. Maman, il y a les bâtons. J'ai chauffé un bâton. J'ai chauffé les bâtons. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, je vais mettre ça sur oui, le... tu mets d'abord ici. Marie-Chantal Zouetène était au deuil. Elle dit qu'elle était au deuil, je sais pas qui c'est. Marie-Chantal, on s'est vu, non? Ou bien? Donc, tu étais là, tu t'es prononcé. Ou bien là, tu es resté... juste anonyme à observer. C'était quel deuil? Le deuil du Cameroun de Paris. Mamoun Joaten, depuis quel deuil à Paris ou au Cameroun? Ah, c'est pour qui? Marie Chantal, de où? Moi,
Tu étais au dernier mois, dois-le voir apparaître. Tu as encore le bâton? Ah oui, un bâton, il est celui-là, le long. Là. Comment tu as fait? Toi, c'est bon. Maman, comment tu fais les bâtons? Oh, merci, la tuineuse non. Des stars. C'est vraiment le bâton. C'est bon, bien. Maman Chou. Maman Trésor, merci encore pour tout. Merci, Maman Trésor. La tuineuse des stars. Merci encore. C'est tellement bon que... C'est juste à la vôtre. Hein. Regardez les doigts du gars. Pop. Ta beauty. Ah, voilà, c'est mon problème, je vais manger. C'est bon, là. Oh. Là, je mange. Parce que c'est trop bon. Maman, c'est là-bas. Finis tes devoirs. Quand ça, c'est quoi? Quand c'est bien, on ne parle plus. Quoi. Mais mets à côté. Quand c'est bien, on ne parle plus. Quoi. Marie Chantal, tu étais au deuil où? À Paris ou au Cameroun? Tu es resté. Ah, le deuil de Paris. C'est moi qui dansais le bain Sikin qui vous a aidé à jeter les poubelles. J'étais avec le haut bleu. Ok. Ah oui, au petit matin. Ok, Marisa et tout. Ok. Donc tu fais partie des femmes qui ont bossé après. Après, tu vas dans le vide. Merci beaucoup. En tout cas, merci encore. Stop, Dami, tiède. Alors, vous allez faire ça au ben. Hein? C'est quoi maintenant? Qu'est-ce que vous faites? En tout cas, pour permettre, tu n'as pas besoin de tout ça faire. Toutes les personnes là qui ont apporté du soutien, merci. Oui, mais ça avec ça seulement. C'était fraternel. Non. Ça, mange. Merci Angèle Koumatsik. Angèle, toi tu es encore là-bas. Ouais, faut laisser les Bissondia. Tu sais que quand les Bissondia n'ont rien à dire, tu écoutes, on écoute encore les Bissondia. Ah, maman était aussi. Merci Lydie Cynthia. Maman Yvonne. Vous savez le problème? Le problème avec Facebook, c'est que quand les Bissondia viennent mentir, ils ne savent plus démentir. Trésor dit quoi? Tiens, finalement. C'est bien, appelle Régine. Vous allez régler ça là-bas. Vous savez que quand les menteurs spécialisés de la toile ont fini de mentir. Et qu'on leur a mis devant leurs yeux. Merci, maman Yvonne. Leurs yeux, leur grotesque mensonge. Ils mettent seulement la clé entre leurs jambes. Et ils se mettent à parler d'autre chose. Yvonne Kako, je le sais. Je le sais. Tu le sais même trop bien. Je vous ai dit que en 2025, quand tu ne viens pas avec les preuves, tu ne sers à rien. Parce qu'on a trop écouté les soldats pendant beaucoup d'années. On n'est plus dans des histoires à dormir debout. Quand tu n'as pas des tenants et des aboutissants, des choses que tu racontes, tu ne sers à rien. Et puis, je voudrais passer un message aussi. Vous savez qu'avec moi, ça se passe comme ça. On donne le sang. Ça,
sans remonter, madame, elle dégage une certaine... Les gens qui font le reflet. Merci, madame, non. Comment le dit. Je voudrais dire le relais. Parce que sur notre toile, sur notre blog, si je puis dire ça comme ça, il y a pas mal de gens qui ne servent à rien. Et vous qui faites le relais de ces personnes-là qui ne disent rien, vous participez à véhiculer ces mauvais messages qui ne servent à rien dans notre diaspora. Quand j'ai mis un post hier, c'est ce matin, que j'avais des voix. Hier, il y a quelqu'un qui m'a dit on ne parle pas de tout. Il y a ma fille Mimi qui m'a dit mon père, c'est pas la peine de parler, on sait comment ça se passe, mais surtout ne parle pas de ça. Mais surtout le commentaire de la personne qui a écrit, on ne parle pas de tout. On ne parle pas du tout. Avec raison. Et on ne relaie pas toutes les informations. Il y a des informations que, je sais que vous avez des pages que vous voulez alimenter, mais n'alimentez pas la bêtise. Alimenter la bêtise, ça ne profite à personne. Ça ne profite qu'aux bêtisiers. Ça veut dire à ceux qui sont à l'origine de la bêtise. Ça ne profite que leur bêtise ne soit pas tout simplement tamponnée sur leur, ou alors dans leur misérable page. Le fait de la publier, le fait de faire un relais de message, ça fait que cette bêtise qui devait être cantonnée dans des petites pages qui ne servent à rien dans le blog, qu'on ne suit même pas, au lieu que ces messages restent là-bas, vous aidez à vulgariser ces messages. Peut-être que vous croyez que vous faites du bon travail, mais je pense que vous ne faites pas du bon travail. Je ne vous impose pas sur vos pages une façon de travailler. Bonjour Chance Angie Oulaï. Oui. Je ne vous dis pas comment vous devez travailler, mais arrêtez de relayer la bêtise. La bêtise doit mourir dans son ignominie. La bêtise doit rester dans son camp de ce bêtisier-là. Parce qu'il y a des gens qui racontent à longueur de journée des bêtises sur la toile. Ne relayez plus ce genre de trucs, ça ne sert à rien. Même si vous devez faire fonctionner vos pages, utilisez d'autres choses. Mais, pas cela. Reprendre les informations, ou alors reprendre le direct de quelqu'un qui est juste en train d'insulter une personne qui est, c'est-à-dire, qui est que tu pourrais être la ménagère. Relayer ce genre d'infos ne profite que à ces personnes que dorénavant j'appelle les béchangers. Merci Marie Chantal. Donc essayez de choisir les informations que vous relayez. Mais si vous avez fait des pages pour relayer la bêtise, bon, après, hein, qui s'assemble se ressemble. Hein, finalement, on trouvera que vous êtes aussi autant bêtise que ces bêtises qu'on divulgue. Essayez de faire la part des choses. Vous verrez que vous allez attirer un peu plus de gens. Parce que des fois, quand les gens lisent ou disent, mais cette personne, je ne la suis même pas. Comment tu viens te retrouver ici? Laissez la bêtise là-bas. Essayez de temps en temps d'écouter ce que les followers vous disent. C'est important. Ok? Très important. Arrêtez de relayer la bêtise. Quand c'est pour aider, quand c'est une information positive, faites le maximum de relais. Merci Valère Koukouossi. Mais quand c'est des conneries, ne faites pas. Demain,
Je vais faire un live sur le bikoubzi. Je vais faire un live sur le maraboutisme dans le bikoubzi. Je sais ce que c'est. Je suis bien posé pour en parler. Je vais en parler demain. Pourquoi Blau? Qu'est-ce que tu fais Blau? Je fais bien ça. Elle doit faire ici dehors. Catherine Chou, c'est de toutes ces informations que je suis en train de parler. Merci Florence King. On ne peut pas divulguer une information où on promet la mort à quelqu'un. Tu fais le relais dans une page qui est susceptible d'apporter de l'information qui, entre parenthèses, si je pourrais dire assagisse, ou bien qui apporte une certaine clairvoyance dans les idées, dans la pensée. Comprenez, relayer les bêtises ne profite pas. Non. Je crois qu'aujourd'hui, on est assez avancé quand même. Même comme le bloc camerounais reste aussi rétrograde que, je pourrais même dire plus que tout le reste du bloc. Hein. Mais on a compris aujourd'hui que il y a des gens qui sont arrivés dans notre bloc qui n'existent que dans le mensonge. Mais tellement ces gens ont menti qu'aujourd'hui, on sait qui sont les menteurs sur le bloc. On sait qu'ils racontent des conneries. Mais alors, laissez ces personnes-là raconter leurs conneries dans leur mur. Ne relayez pas la connerie. Oui, un peu. Donc, Catherine, sur ce genre d'informations, on ne devrait pas le relayer. Quand une personne lambda te promet la mort, elle est sûre, elle se base sur quoi pour te dire que toi, tu vas mourir et qu'elle est sûre qu'elle, elle ne va pas mourir. C'est juste de la bêtise. C'est-à-dire, ça c'est même plus que la bêtise. On parle même pas des choses comme ça. Merci ma soeur Zaviri. Donc demain, les gens de Bidouzi veulent nous expliquer que il n'y a pas de maraboutage. Papa, il y a le frère. Eux-mêmes ont pris le talent, ils ont mis de côté. Pourtant, il y a beaucoup de talent dans le bikoubzi. Azaël. Merci Clarisse. Merci Clarisse Lydienne. Merci Clarisse Lydienne. Ils ont pris leur talent. Ils ont mis de côté. Le talent, c'est quelque chose que Dieu te donne sans effort. Ça veut dire que quand tu nais, les blancs font dans des écoles de musique. Les blancs vont dans des écoles de musique pour qu'ils aient une belle voix, pour qu'ils puissent devenir chanteurs. Ils passent des examens pour sortir ne serait-ce qu'un album. Nous, on parle de Vongantanganaba là, pour ne pas dire du fin fond de Pouma là-bas, dans le village le plus éloigné, je ne sais pas, de Sagbayemi. Tu composes une chanson avec un timbre vocal magnifique et pourtant tu n'es jamais passé dans aucune école de musique. J'ai même écouté, merci, ou entendu d'autres chanteurs, oui maman a bien peu, dire à d'autres qu'ils écrivent des chansons, ils ne savent même pas lire le solfège, ce qui est vrai. C'est ce qu'on appelle un don. Dieu te donne ce don. Tu chantes. Celui qui était à l'école de musique écoute ton timbre vocal, il dit yes. Et pourtant, tu n'as rien fait pour mériter ça. Dieu te l'a donné gracieusement.
T'as dit tu es sorti du ventre de ta maman avec ça. Quand tu chantes, on dirait que tu as été à l'école. Vous oubliez ça. Que c'est Dieu qui vous a donné ce don. Quand vous avez sorti un album et que le public vous a découvert, vous êtes maintenant sûr que c'est le Grimba qui va vous faire fonctionner. Ça ne marche pas comme ça, c'est faux. Dieu ne peut pas te donner un don. La question que vous oubliez de vous poser quelquefois, est-ce que avant de chanter, est-ce que avant de sortir mon premier album, est-ce que avant que le public ne me découvre, je suis passé par le Grimba? Est-ce que c'est ces choses-là? Et pourtant, vous avez des exemples qui vous prouvent que ce ne sont pas des choses, ces choses-là. Parce que la majorité de nos chanteurs, ou peut-être même la plupart, ou même tous nos chanteurs sont passés par des vies misérables. Quand je dis bien misérable, vraiment misérable, tous nos chanteurs. C'est-à-dire pour qu'ils deviennent célèbres. Il a souffert ou elle a souffert. Et pourtant, pendant que vous souffrez, Saint Grimbala existe. Vous ne les contactez pas. Vous êtes sûr que vous avez un talent, même si vous trimez, vous vous dites qu'un jour, je sortirai la tête de l'eau. Mais quand vous avez sorti la tête de l'eau, vous prenez le Grimba, vous mettez devant. Vous oubliez que c'est un don naturel. Vous oubliez que c'est un don naturel. Et après, on va remarquer que quelqu'un a mal au ventre, quelqu'un a mal à la tête. Au lieu d'aller prendre le comprimé qui soigne le mal de tête ou le mal de ventre, ou à la limite, s'il ne veut plus prendre les comprimés parce que, attention, on nous a expliqué que les comprimés que les blancs nous donnent, ça nous crée d'autres maladies dans le corps. Au lieu de prendre, comme nos parents se soignaient à l'époque, avec nos écorces et tout ça, au lieu de prendre l'écorce qui te soigne de la fièvre ou du mal de ventre, tu vas chercher l'écorce qui va te faire découvrir que c'est ton ami le plus proche ou celui avec qui tu étais en studio qui t'attache. Comprends ça? Dans ta tête, tu es sûr que non, si mon premier album a marché et que le deuxième n'a pas marché, c'est parce que c'est quelqu'un qui m'a attaché. Non. Je vous rappelle qu'en Europe, il y a des artistes qui sont devenus célèbres avec un titre. Avec un seul titre. Ils ont de la chance en Europe parce que tout est organisé pour faire en sorte que quand tu as fait un bon titre, qui a beaucoup marché, et bien... Bonsoir Larissa Yank Ndomo. Ils ont mis des moyens et des structures qui font que cet album qui a tellement marché pourra t'aider à vivre. Peut-être c'est la grosse différence qu'il y a entre eux et nous, d'avoir travaillé sur ce côté-là. Mais je veux dire, il y a des Européens qui ont sorti un album, qui en ont sorti, non, qui sont devenus stars et qui ont une vie paisible et même aisée à cause d'un seul titre. Ça ne veut pas dire qu'après ce titre, ils n'ont plus chanté. Ils ont essayé de chanter. Ils ont chanté, mais ça n'a pas donné. Un seul titre a marché. Donc chez nous, quand ton premier album marche, et que le deuxième ne marche pas, tu es sûr que c'est le Grimba. C'est faux. Il faut que cette mentalité la change. C'est ce qui amène à ce qu'on voit aujourd'hui. Aux artistes qui sont sûrs que s'ils ont mal à la tête, c'est parce qu'on leur a fait ça. Non. Moi, je vais faire un live demain. Ça va faire mal. C'est pour ça que je vous ai demandé sur une publication que j'ai faite ce matin. Si quelqu'un avait exactement, Larissa, par exemple, si Collet la Petite était
dans une structure européenne. Il n'aurait plus jamais faim de sa vie. Comme Wes Madiko, par exemple, voilà. C'est-à-dire, quand tu es dans ces structures-là qui sont bien organisées, tu n'as plus jamais faim. Mais pourtant, ces gens-là ont sorti d'autres albums, mais qui n'ont pas marché. Ce n'est pas à cause du Grimba. Mais nous, on met toujours ça dans le Grimba. Ah, c'est trop. Donc, pour vous qui êtes encore connectés, là, j'ai demandé aujourd'hui si quelqu'un a les coordonnées de Benji, de Benjo. Je voudrais bien savoir quelle relation il avait avec, ou alors il a avec Aïdjo. Parce que mine de rien, c'est quelqu'un qui a dit beaucoup de choses. Et des choses très graves. Hein. Des choses très graves. Qu'il faut avoir une certaine assurance pour dire ce genre de choses. Et j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui l'a motivé. Quoi. C'est-à-dire, quand tu te lèves comme il a fait, et tu as avancé des choses comme ça, sur des... sur des stars. Arrête. Parce que quelquefois les gens oublient même ce que c'est que les réseaux sociaux. Moi je suis en train de parler là, je suis assis chez moi. Mais on me suit au Japon, on me suit aux États-Unis, on me suit partout. Non merci. Ah ouais, c'était. Donc quand tu prends l'initiative de dire des choses comme ça. Si c'est vrai, pourquoi pas dénoncer? On peut dénoncer tout ce qui est vrai. Hein. Mais ce genre de choses, il faudrait qu'on les dise avec beaucoup. Ah, Larissa, il s'est expliqué. Hein. Je n'ai pas suivi celle-là. Je n'ai pas suivi la deuxième vidéo. Mais je voudrais juste... Ok, c'est sur sa page, hein, Larissa. C'est sur sa page. Ok, si c'est sur sa page, je vais... J'ai été sur sa page, mais j'arrive même pas à lui écrire. Je voulais lui écrire. Mais sa page, on n'arrive pas à écrire sur cette page. C'est pas... Ou alors c'est moi qui ne sais pas manipuler, mais j'ai voulu lui écrire pour lui demander d'avoir un échange. Ok, ok, Larissa, je vais écouter ça. Je vais écouter ça. Parce que quand tu as une relation avec quelqu'un... comme il prétend l'avoir avec Aïdjo, ou alors comme il l'a avec, parce que voilà, c'est lui qui le dit. Hein. Je veux dire, c'est un homme des médias, c'est un homme cultivé, c'est un homme intelligent. Et quand tu le vois parler, c'est pas le buzz. Il a pris le temps parce que avant d'en arriver là, moi j'ai parcouru sa page. J'ai vu qu'il a longtemps parlé de la maladie. Il a demandé aux gens de... Ok, Larissa, je vais écouter ça tout de suite après. Il a demandé aux gens d'aider Aïdjo. Il a expliqué aux gens qu'Aïdjo était malade. Donc, ce n'est que récemment qu'il a pris l'initiative de dire ces choses très profondes. Donc, s'il a pris tout ce temps-là, ça veut dire que... ok, Larissa, je vais écouter ça. Il a expliqué pourquoi il a dit. Donc, moi, je pense que... c'est quelqu'un qui a des choses à dire. Je ne le connais pas. Mais ça m'étonnerait qu'il le fasse pour un certain buzz qui ne lui apporte rien. Parce que quand vous parcourez sa page, il n'a pas l'air d'un mec qui fait les buzz. Il est vraiment dans son monde de Facebook où il fait ses vidéos. Il n'a pas l'air de quelqu'un qui aime le buzz. Peut-être que je peux me tromper, mais il n'en a pas l'air. Mais une chose est sûre. Une chose est sûre. Femme Zingue est mort. Voilà aussi quelqu'un avec qui j'étais proche de lui. On a parlé de la voir tuer. Le cabaret, le légendaire cabaret de Yaoundé qu'on appelait... le légendaire cabaret de Yaoundé, comment on l'appelait encore Comment s'appelait le cabaret du Bikuti à Yaoundé? Très populaire. Carousel.
le légendaire cabaret Le Carrousel. À un moment donné, c'est devenu un lieu. Tel que les artistes expliquaient, c'était devenu un lieu d'empoisonnement. Bonjour Théodore Abi, comment vas-tu? Merci. Tout à fait, Gonbolo. À un moment donné, c'était devenu un lieu où on empoisonnait des gens par la boisson, par les micros, par beaucoup de choses. Et je connais personnellement des artistes qui avaient décidé de ne plus chanter là-bas. Donc, cette histoire de marabout ou de grimba, comme on dit dans notre vulgarité à la camerounaise, c'est pas une chose, c'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Et surtout dans ce monde du bigotier, c'est pas d'aujourd'hui. On a vu des artistes ici prendre leur téléphone et parler de ça. Exorciser d'autres artistes, un peu comme Benji l'a fait. Parce que je ne comprends même pas pourquoi on s'acharne trop sur Benji. Peut-être parce qu'il a donné les noms. Mais il y a des artistes ici aussi qui ont pris leur téléphone, qui ont parlé de Ndriba, qui ont expliqué qu'ils étaient, surtout qu'elles étaient, parce que c'est un truc qui se parle beaucoup entre les femmes, qu'elles étaient bloquées. C'est un peu ce que Benji a dit, hein. Il n'y a rien d'étonnant ou d'étrange ou de nouveau dans ce qu'il a dit. Il y a des artistes qui ont pris la parole ici, qui ont dit « Moi, on m'a bloqué. » Il y a des artistes qui ont dit « On a tué femme. » Et quand vous parcourez ce que Benji a dit, vous parcourez la page de Benji. Je crois que c'est sur sa page. Je crois que c'est sur sa page que j'ai vu ça, ou dans une autre page, ou à Yido, dans sa maladie. Je ne sais pas si c'est un album qu'il devait sortir ou qu'il a sorti. Il demandait à ces gens-là, pourquoi vous voulez me tuer? Je ne suis rien. Quelque chose comme ça, en fait, il chantait en bêtise, en essayant d'expliquer que quelqu'un, les gens veulent le tuer. Donc vous comprenez que ce que Benji dit, il n'a pas inventé. Il n'a pas inventé. Peut-être que lui, il a pris juste l'audace de mettre les noms sur les interrogations de Aïdjo. Élise Ngobasom. Bonsoir, ma fille. Donc peut-être que lui, il a juste donné les noms. Mais lui-même, le malade, celui qui est malade aujourd'hui, Aïdjo, il a demandé à ceux-là, pourquoi vous voulez me tuer? Les artistes ont même sorti des chansons qui sont devenues légendaires. Des artistes ont sorti des chansons qui sont devenues même populaires. En disant, à cause de mon petit succès, vous voulez me tuer? Il n'y a rien d'étonnant. Bonsoir, ma fille, mémé. Mémé, quoi tu as? Comment vas-tu? J'ai écouté ton conseil, tu vois, non? Ton conseil d'hier. J'ai dit, ma fille, tu as raison. Donc, je parlais des artistes, là. Ce que ce gars a dit n'est pas nouveau. Les artistes, les grands dans le monde du Bikuti. Regardez seulement les guéguerres qu'il y a dans le monde du Bikuti. Les guéguerres là, c'est quoi? Et c'est quand vous les entendez s'engueuler, elles parlent de la musique? Non, elles parlent des blocages. Tu m'as bloqué. Della a bloqué tout le monde. Bonsoir Gisèle Sidoni. Della a bloqué tout le monde pour que c'est elle seule qui ait le succès. L'autre a fait ceci pour casser l'autre. Merci ma fille, j'ai compris. Donc là, on a un problème très sérieux. Il y a un malade. Il y a quelqu'un de malade. Mais quand tu vois les mêmes artistes ou certains artistes aujourd'hui te dire que ce monsieur-là qui est malade, qui est Amadou Aïdjo, a refusé d'aller se traiter.
Je voudrais donc demander à ces personnes qui aujourd'hui sont sûres que... Parce que quelquefois, tu viens te défendre et tu t'accuses. La défense est quelque chose de très stratégique. Il faut savoir te défendre. Quand tu ne sais pas te défendre, tu peux te retrouver en train de t'accuser toi-même. Quand tu as un monsieur comme Aïto, que tu as respecté à un moment donné, que tu as appelé mon père, que tu as appelé mon idole, que du jour au lendemain, tu te mets à dire que ce monsieur a refusé d'aller se soigner à l'hôpital. Est-ce que toi, tu as fait un diagnostic pour savoir la maladie de ce monsieur? Justement, mémé, je veux dire, tout ça est possible, hein? Mais tu sais que pour tuer un chien, on l'accuse de rage. Faut bien qu'on meure de quelque chose. Même quand on t'a mangé, comme on dit vulgairement chez nous dans la société, la sorcellerie, tu meurs de maladie, hein? Mais quand on découvre que c'est la sorcellerie, justement, c'est quand cette maladie devient incurable, peut-être une maladie qu'on peut traiter facilement, mais que dans ton cas assez spécial, devient incurable malgré tous les traitements qu'on t'administre. C'est là où on se rend compte que cette maladie n'est pas normale. Donc quand quelqu'un reproche à Aïdjo, quand tu vois le ventre d'Aïdjo, une chose est sûre, sans avoir fait médecine, je sais pas quoi, tout de suite, tu peux penser à la cirrhose de foie, tu peux penser à beaucoup de choses parce que tu vois un ventre. Mais on est quand même des Bantous. Nous savons que dans la tradition Bantou, on te met des choses bizarres dans ton ventre. Pourquoi on ne peut pas... Pourquoi on veut juste... on voudrait amener les gens là où on veut les amener. On peut laisser les gens imaginer des choses. Tu peux avoir ce qu'il a. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'il a, ok, et c'est traditionnel. Mais quand la personne elle-même, posez-vous d'abord la question de savoir pourquoi la personne elle-même qui est malade, qui souffre. Parce que ce que vous avez oublié, c'est pour ça que je dis, il faut toujours pousser les analyses. Quand vous voyez la vidéo d'Aïdjo, Mamadou, où on le fouette avec des feuilles, je ne sais pas de quoi, regardez bien cette vidéo. Regardez bien cette vidéo. Et analysez-la. Oh là là. Ça, c'est mon travail qui m'appelle. Un instant, s'il vous plaît. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, bonjour, madame Judith. Comment allez-vous? J'ai vu que vous m'avez déjà appelé. Ah, pas là en haut, ok. Vous voyez quand vous avez des femmes averties, hein. Moi j'ai la chance d'avoir cette femme là, c'est pour ça. Divine Bicoque, elle est très intelligente ma femme. En tout cas, ça ne se raconte plus, hein. Ça se vit tous les jours. Vous-même, vous l'avez remarqué. Donc, je disais... Merci, Ngonboulou.
Voilà, regardez la vidéo où ce monsieur se fait fouetter par des feuilles. Regardez bien cette vidéo. Parce que des fois, Johanna Chilo, arrêtez ce bruit. On vous montre des choses, mais vous ne poussez pas la réflexion. Vous sentez que ce monsieur est convaincu que son corps, on dirait qu'il y a quelque chose qui marche dans son corps. Parce que Aïdjo lui-même, dans cette vidéo, il te dit, il dit au monsieur qui tape, ici, 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 lui-même, c'est lui-même qui dit au monsieur, ici, là derrière, ici. Quand vous analysez cette vidéo, il dit ça pourquoi? Sûrement que les endroits où il demande à ce monsieur de taper ce machin-là, il y a quelque chose de spécial qu'il ressent à ces endroits. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous présente? Il a un ventre, ça peut être une cirrhose. Mais le monsieur te dit que non seulement ce ventre est gros, il y a quelque chose qui se passe derrière. Il y a quelque chose qui se passe derrière. Merci Zaveri, merci. Tout à fait, tout à fait. Ma femme est très avancée, vous savez, elle est, c'est pour ça qu'elle est ma femme en fait, c'est pour ça que Dieu l'a créée. Merci pour elle. Bonne digestion. Ah. Une bonne digestion. Vous voyez, non? Elle dit une bonne digestion, mais elle prépare la sieste. Elle est très forte. Non, mais pour une bonne digestion, manger le bongo, il faut avoir un petit cognac bien. Merci, mon chéri. Ouais. Elle est très forte. C'est pour ça que je l'adore. Elle sait faire des choses. Elle sait faire beaucoup de choses. Salut ici, TikTok. Donc en fait, le monsieur ou la dame qui filme, il y a quelqu'un qui... Oui, c'est pas la peine de filmer tout ça. Mais tu comprends déjà que la personne qui l'accompagne... Coucou ici. Je sais pas si c'est elle qui filme. J'ai dit l'amour est doux. Merci Kadhafi Lamson. Gonboul dit même prière, comme madame et ça. Donc, en tout cas, que Dieu vous apporte cette grâce de trouver une bonne. Donc, quand vous... Déjà, je voulais revenir sur le monsieur ou la dame qui a écrit. Le monsieur qui filme, il n'a pas besoin de filmer. Ça veut dire déjà que... Vous voyez, il y a Anguille sous roche. Tu ne peux pas amener quelqu'un. Je ne sais pas si c'est son accompagnateur ou c'est quelqu'un qui était là-bas sur la personne qui soit un peu... Bref, celui qui a filmé ne devait pas. Mais le fait même d'avoir filmé, c'est aussi bien aujourd'hui parce que les images là, on peut les décrypter, on peut les analyser. On peut les analyser par rapport à ce qu'on voudrait nous faire croire que le ventre qu'on voit là, tout le problème est dans le ventre. Non. Mais dans ces images, le monsieur qui est malade, Aïdjo, dit que taper derrière. Moi, pour ceux qui ont la cirrhose, des fois qui ont eu, je ne sais pas. Si derrière aussi, ça fait mal, je ne sais pas. C'est clair, Jack, on ne devait pas filmer, mais maintenant c'est fait, tu sais. On va polémiquer dessus jusqu'à demain. Est-ce que c'est seulement cette vidéo qu'on ne devait pas filmer? Même le fait de le filmer, comme il était, je ne sais pas si c'est chez lui, il est dans son fauteuil là, dans une position vraiment... très inconfortable. Est-ce qu'on a besoin de filmer ça? Non. Celui qui fait ça, et quand tu vois même cette position, on dirait qu'il dort. Donc celui qui le filme même. Mais il est sûrement de connivence avec celui qui est à côté, avec le téléphone à la main, à l'oreille. Parce que lui, au moins, il a le téléphone à l'oreille. Peut-être qu'il est en train d'expliquer, je sais pas, quelque chose, mais au moins, lui, il voit qu'on filme. Mais Aïdjo, lui, il ne voit pas. Quand tu vois qu'il est, c'est un mec qui est abattu, non, comme s'il somnole, ou je sais pas quoi. Ok. Donc, toutes ces personnes autour... Toutes ces personnes autour, des fois, des artistes. Quand on a des moments comme ça, c'est des personnes... Comme aujourd'hui, tout le monde est à la recherche du buzz. Donc, il faut poster une vidéo d'un artiste, d'une vedette qui est en mauvaise posture. Donc, dans aucun cas, que ce soit quand on le soignait... Nous savons bien qu'on le fait chez nous. Voilà, l'indigène, on s'est tous soignés à l'indigène, ça se fait chez nous.
On n'a pas besoin de filmer ça pour faire quoi? Alors je disais, si lui, le malade, il est convaincu. Jack Say, que fait le ministre Jack Say, que fait le ministre de la Culture? Aïdjo. Écoutez bien, parce que quelquefois, comme il y a tellement de manipulations sur la toile, Aïdjo a été hospitalisé. C'est pas une maladie d'aujourd'hui. Hein. Au frais du Zomlo, Amogo Belinga. C'est pas la première fois qu'on parle de la maladie d'Aïdjo. On a parlé de ça ici. Il y a aussi une maman qui a aussi fait. On a beaucoup trop parlé de ça. À un moment donné, on a appris qu'il a été hospitalisé. Il est pris en machin avec les frais de Amogo Belinga. Merci Christ. Si c'était la cirrhose, si ce n'était que ça. Ce monsieur a fait le tour des hôpitaux. Où donc? C'est aussi les docteurs qui le mentaient. Ou c'est les docteurs qui le mentaient? Parce qu'à un moment donné, quand on veut rentrer dans les explications, il faut aller au bout des explications. C'est pour ça que je voudrais avoir ce monsieur-là, Benji, si ça lui dit. Hein. Si ça lui dit. Je ne sais pas s'il vivait en Suisse, Jack Sev. Je sais que c'est Amapiero qui vivait en Suisse. Mais je sais que Aïdjo aussi était très fréquent en Suisse. Mais vivre en Suisse, je ne sais pas. Je sais qu'il était fréquent, il faisait les allers-retours. Mais celui qui a vécu en Suisse de façon officielle, c'est Amapiero. Amen. Audrey. Andy, pardon. Tout à fait, Claudia Mim, on saura la vérité, ça c'est sûr. De toute façon, à l'allure où vont les choses, on saura seulement la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de non-dits dans toutes ces histoires. On ne peut pas m'expliquer. C'est-à-dire, je vais dire, moi, je ne suis pas un traditionnaliste. Mais je respecte nos us et coutumes. Je respecte. Ok? Et si je vous parle de... comment on appelle? Du jujube et tout ça. Parce que je crois en nos valeurs. Mais je vais dire, je ne peux pas savoir que j'ai une maladie que le médecin a diagnostiqué. Moi, mes sangs. Je dis au médecin que non, c'est pas vrai. Moi, je pense que je ne crois pas. Je ne crois pas. Et je pense qu'un mec comme Aïdjo, Mamadou, j'ai évoqué ça aussi dans un direct. Je ne sais pas s'il était marié. En couple, ah, d'accord. Ou s'il avait... D'accord, on dit. S'il avait quelqu'un dans sa vie. Mais quand tu as une femme dans ta vie qui t'aime, les femmes, c'est des visionnaires. Les femmes, c'est des visionnaires. Une femme voit, même parmi tes amis que tu appelais, moi, je le dis ici, ma femme qui est ici, elle m'a trouvé avec des mecs que je pensais que c'était des amis. Elle a détecté et me l'a prouvé par A plus B que ça, c'est pas un ami. Donc, quelquefois, on peut avoir des gens qui nous entourent, qui nous font voir des choses comme ça. Oh. On pense que c'est des amis, mais c'est pas des amis. Je dis que moi, ma femme, voilà Claudia Mim, voilà. Donc, je dis moi, elle m'a fait croire. Et des amis de longue date. On dit ça, c'est pas un ami. Regarde, observe. Donc si Aïdjo avait un ami, comment dire, une femme qui l'aime, je crois que on l'aurait pas amené partout à la fois. Parce que très souvent, les artistes, tout à fait, Jack, c'est un milieu qui est pourri. C'est pour ça que je ne sais pas pourquoi on parle beaucoup plus d'hôpital dans ce milieu que d'autres choses. Je ne refuse pas qu'on parle d'hôpital, mais il faudrait déjà que ces personnes parlent aussi de ce côté, parce que il n'y a que ça qui pue dans le milieu du Bikutsi. Il n'y a pas un seul artiste du Bikutsi qui a évolué sans qu'on ne parle de marabout. Il n'y a pas un seul qui a régressé sans qu'on ne parle de marabout. Donc ce que Benji a relaté, c'est pas nouveau. Maintenant, qu'est-ce qui lui donne l'assurance de donner des noms, de poser des noms sur ses actes? Lui seul sait. Pourquoi?
Mais sinon, ce qu'il a dit n'est pas nouveau. Merci Marie-Charlie Dougou. Donc, il faut faire très attention dans la vie. Il faut faire très attention avec ces gens qui nous fréquentent. Surtout quand vous avez une étoile que Dieu vous a donnée. Et c'est ça le problème avec Dieu. C'est-à-dire Dieu vous donne, mais quelquefois, les mesures d'accompagnement de ce qu'il vous a donné ne suivent pas. Ou alors c'est les gens qui sont autour de nous qui nous déroutent et on commence à penser autrement. Voilà, tout à fait, Andy du côté de, du côté du live TikTok là-bas. Andy a dit que... Parce que quand quelqu'un prend la parole comme ce gars a dit, il dit ne meurs pas étouffé, libère-toi, comme tel s'est libéré. C'est très grave. C'est très grave. Il dit libère-toi comme l'autre s'est libéré. C'est grave de dire des choses comme ça. Il faut avoir des éléments sous la main. On ne se lève pas et on dit des choses comme ça. Partagez à TikTok, les amis. Animez le live. Tapotez, merci. Oh, ça me fera plaisir, Kadhafi. Oh là là. Si tu le fais la prochaine fois ici au Cameroun, je viens à Fouban. Elle me dit que je ne sais pas si c'est un homme ou c'est une femme. Elle veut créer un fan club à Fouban. Ouais. Je viendrai à Fouban pour l'inaugurer. Moi-même en personne. Kadhafi. Enfin. Ce sera quelque chose de merveilleux. C'est vraiment fini. Vous voyez, non? Je vous ai dit cette femme, vous ne la connaissez pas. Moi, j'ai fini. Elle a fini, non? Je suis en train de vous parler, là. Ça l'intéresse. Elle veut déjà siester. Non, j'ai dit juste que moi, j'ai fini. Mais où est le rapport si tu as fini? Mais je dois aussi finir. Tu n'as même pas pris. Mais pourquoi elle doit aussi finir comme toi? Mais pas au moins s'engorger. Même je bois tout doucement, non? Mais tu n'as même pas encore pris. Si, si, c'est. Attends, ça se déguste. Okay. Tu vois comment tu transpires, hein? Et tu veux que je transpire comme toi? Restriction, pourquoi? Comme ils ont vu le verre, TikTok. Voilà, Gonbou le dit que si toi tu as fini, laisse-moi ici. Comment? Elle est terrible, hein? Croyez que l'histoire du cocotier là, c'est pas moi. Hein? Ouais, non? Ouais. C'est pas moi. Hein? Elle est grave, comme vous la voyez. Là. Oh, ma fille Monica, comment vas-tu? 16 minutes durée, 16 minutes. Okay. Voilà, Marie-Charlie. Marie-Charlie. Parlez à votre maman. Comment? Marie-Charlie dit quoi? Hein? Elle est là, elle transpire en même temps. Et elle me dit de boire comme elle. Voilà, Ngongo le reprend. Chérie, j'ai fini. Hein? Ah oui, non? Vraiment, voilà. C'est ça, hein? Merci pour le cœur. Envoyez des cadeaux pour soutenir le live, pardon. Envoyez des petits cadeaux. Claudia Mime. Pour booster le live. Claudia Ducor. J'ai fini avec, mais il dit la vérité. Coucou. Okay. Elle dit que tu as fini. Gonboulou dit que tu as fini maintenant. Coucou. Tu veux quoi alors? Sors le mot. Tu veux donc quoi maintenant? Sors le mot. Nathalie, comment manquer? Comment tu vas m'assurer? Donc, exactement. C'est bon, c'est bon, Claudia. Ah. C'est, Claudia, ce que tu dis est vrai. Déjà que, comment il s'appelle? Benji. Comment tu vas? Benji de Benzo dit que c'est son ami. C'est son ami, ils se connaissent. Donc, ils ont discuté. Peut-être que lui, il a dit ce que les deux se sont dit. En... Mais je voulais répondre aussi à Mime. Tu sais, quand on ne connaît pas quelqu'un, on dit beaucoup de choses et c'est ce qu'on vit sur Facebook. Quand tu ne connais pas la personne, tu peux venir super, dire du n'importe super. Quoi. Mais Aïdjo, c'est quelqu'un de très noble. Moi, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré. C'est quelqu'un de... Comment dire?
qui met sa personne en valeur, tu vois. C'est-à-dire, je crois même, je suis sûr même que s'il est conscient en ce moment, les images qu'on fait passer de lui là, ces images le mettent très mal. Il n'aurait jamais voulu qu'on le voit comme ça. Il a déjà sur son côté de moi je parle de quelqu'un que j'ai rencontré hein, et quelqu'un avec qui j'ai discuté sur beaucoup de choses. Il a déjà son côté de ancien boxeur là, vous savez. Je sais, j'en sais quelque chose parce que la boxe aussi j'en ai fait. J'en ai fait. La boxe, c'est un côté où on t'apprend ce que c'est que le mental, tu vois. Tu ne dois pas perdre, comme dit souvent l'autre, le charisme. Le charisme là, tu ne dois jamais le perdre. Quel que soit l'endroit, quel que soit le niveau. Merci Achille Nyang. Alléluia. Donc, Aïdjo, c'est quelqu'un qui ne baisse pas son front comme ça là, qui ne perd pas le charisme quand vous le connaissez dans la vie. Donc, le voir, si aujourd'hui lui-même il se voit dans ces vidéos là ou ces photos, il doit être très mal. Parce qu'il n'aurait jamais voulu. Il n'aurait jamais voulu. Donc pour dire même que c'est pas quelqu'un qui serait venu dans les réseaux vous dire que je suis mal cotisé pour moi. C'est-à-dire il est trop fier de lui. Voilà, il a une fierté en lui. Il est un homme. Et c'est ça un homme. C'est pas l'orgueil. Tu vois? Mais c'est une fierté qu'on est avec et on n'a pas toujours besoin que qu'on voit ce côté. Moi, je me rappelle quand j'ai été malade en 2019. Quand je suis sorti de là, ma femme me montre les photos. C'est-à-dire, c'est les photos que j'ai pas envie de voir. J'aime pas. Parce que j'aime pas. Claudia me dit d'arrêter de rôder autour. Tu me déconcentres. De rôder. De rôder. De rôder. Comment je rôde? Elle a déjà fini son truc. Donc là où je suis là, je peux parler jusqu'à demain. Là, donc on peut contrôler. Adama, on peut faire ça. Hein? Radia Toudjene, bonjour. Donc, vous me contrôlez. You are controlling me. Le côté. Donc, je voulais juste dire que il ne faudrait pas que les uns ou les autres essayent de nous déconcentrer. Il y a beaucoup. Mon Dieu, avec moi. Merci Simone Vaca. Merci Simone Vaca. Faudrait pas qu'on nous amène ailleurs. Gonbolo dit que va siester seul. Nous, on est ici. Il est allé à la maison vendredi, pas siester seul. Pour quand? Papa, tu bois comme ça en digestif. C'est un très bon cognac. C'est un très bon cognac. Je viens de manger un bon plat de bongo avec les bâtons. Donc, comme madame prépare sa sieste, elle me donne ça pour... Comprenez, non? Donc là où je suis là, moi-même, je suis même déjà prêt. Juste pour une bonne digestion. Donc, il ne faudrait pas qu'on essaye de nous amener. Le milieu du Bikuti est pour. J'ai vécu ça de près. J'ai touché du bois. J'ai vu. Je suis arrivé. Je suis arrivé à des endroits. Mémé, donne-moi aussi le nom, non? Je ne connais pas. De qui? Le nom de quoi? Mémé me dit que Aïdjo, c'est l'ex de quelqu'un que je connais très bien. Ouais. Assisto. Donne-moi le nom, non? Moi, je veux parler de... Demain, je vais parler de ça. Parce qu'il y a trop de maraboutage dans le Bikuti. Et quelquefois même, on exagère même. Parce que moi, je continue à privilégier le don. Surtout dans la chanson. C'est le don. Le marabout ne mange pas. Si le marabout marchait au foot, dans la chanson, on n'aurait pas besoin de s'entraîner. Vous comprenez, non? On n'aurait pas besoin de s'entraîner. On n'aurait pas besoin de faire tant d'efforts. Coucou, Kiki. Parce que je lui ai dit encore,
tous nos artistes. Mais mémé, tu parles de... Tu parles de Aïdjo ou de le général. Le général... Ouais, comment? Comment je confonds aussi les noms? Jeannette Lafleur. Parce que celui qui a de façon officielle habité en Suisse, à Zurich... Moi aussi, je connais. C'est le général Amand Pierrot. Hein? Amand Pierrot, lui, il a habité en Suisse. Aïdjo était aussi fréquent en Suisse quand son album marchait très bien. On l'invitait très souvent en Suisse, très très souvent. Mais je ne sais pas si lui, il a vécu en Suisse de façon officielle. Il venait, il repartait. Bon, c'est clair que c'est pour ça que je dis que c'est quelqu'un que j'ai fréquenté, non? Quand Aïdjo venait en Suisse, mais on le dit, il sait, comment? Plus c'est un boxeur. Les femmes aiment les hommes, c'est quelqu'un de... Quand tu le voyais... Oui, super bien. Ok, tu parles d'Aïdjo, hein, ok. C'est bien passé par la grâce de Dieu. Aïdjo, c'est quelqu'un qui était debout. Quelle est la femme qui n'aimait pas le voir? Ou n'aimait pas la voir? On le discutait. Quand Aïdjo arrivait en Suisse, on le discutait. Pas les mamans. Non, je comprends pas pourquoi il a pu finir comme ça sans... Je sais pas s'il n'a jamais été marié, je sais pas. Mais c'était quelqu'un qu'on aimait beaucoup. Que les femmes... Le style de mec, il est debout, il était debout, hein. Bien sûr, Claudia Mime, tu ne peux pas t'expliquer comment. Mémé, laisse Claudia parler. Mémé, laisse Claudia parler. Peut-être que Claudia vit en Suisse. Peut-être que Claudia vit en Suisse. C'est mon boss, Anaïa. Il était mon boss, Anaïa, pendant 2 ans. Que son âme repose un peu. Ah, maman, ça tient. Qui ça? Elle dit que Emma était son boss. Qui dit pendant ça? Pendant 2 ans. C'est Saki. Ah, Saki, tu as travaillé à Mazal alors? Pendant 2 ans. Ouais, ça c'est l'entreprise à boîte de mon frère. Ok. Mais ça fait plaisir. Donc, faut arrêter. Claudia me dit qu'elle est ma voisine. Hey, à Claudia, tu es ma voisine ou alors? En Suisse. Donc toi, tu es là, tu... Mon père, Claudia me connaît. Elle connaît. Elle connaît. Comment elle dit qu'elle est ma voisine? À Claudia, tu es ma voisine alors? Et tu ne te fais pas voir. Hein, à Claudia. Ah oui. Oh, je sais très bien passer, maman de Saki. Écoute alors, Karel Williams, quand elle vient. Maman! Quand elle vient. Tu as vu ce qu'elle a écrit? Je ne peux même pas lire ça. Que, Karel. Il n'y a pas que ma qui connaisse. Vraiment. Ouais, bon, on t'a gâté au village. William Karel. Là, on t'a gâté au village. Ouais. On t'a gâté à William, franchement. Donc. Je dis que moi, je suis rentré dans des endroits où on me dit ça c'est la ligne rouge, ne passe pas. Claudia, ouais, le direct c'est bon à moi. Ne passe pas. Je demande que comment moi je ne vois rien. Merci pour les étoiles. On dit non, ne passe pas. Je dis que le cabaret. Animez là, envoyez les petits cabarets. Je dis que le carrousel est devenu à un moment donné un endroit où on piégeait. Les artistes, c'est eux-mêmes qui le disaient. Merci de t'apporter le live, c'est gentil. C'est eux-mêmes qui le disaient. Merci. Exactement, mémé. C'est ce qui me wanda même. Parce que je vois certains là sur la toile. Hein. Je connais, je les connais. Les anciens d'Aïdjo. Je ne vois même pas parler de ça. Bon, tu sais que, en même temps, il faut comprendre certaines femmes. Ou bien, il faut même comprendre les femmes. Quand Aïdjo était populaire, l'histoire que tu as engagée là, quand il était populaire, tu sais, quand tu es un homme que les femmes aiment, Claudia dit qu'elle a déjà eu à me servir dans une fête. On va seulement arriver aujourd'hui, Claudia. Claudia, il y a le numéro sur la tête du direct. On va y arriver, Claudia. On va arriver là où on doit même arriver. Parce que tu es trop dans mes directs, dans les écrits.
À un moment donné, il faut quand même qu'on se connaisse, non? Tu n'as pas vu ma soeur qui est venue ici le week-end dernier? Elle dit que je mangeais chez elle à Rouen, à Saint-Ouen. Voilà, Claude, ça a déjà commencé. Ma soeur est venue là, elle a dit à Saint-Ouen. Quand j'arrivais à Paris, voilà. Je ne manquais pas de manger chez elle, non? Elle est venue parler ici en direct. On lui a dit que dis non alors, cache tout. Elle a dit que taisez-vous. À cette époque, la majorité de vous qui êtes là étaient encore au Cameroun. Hein? Ma soeur Ngotouk, elle est venue ici, non? Elle a parlé. SNCF, je ne comprends pas ton commentaire. Explique-toi, s'il te plaît. Mais bien, bien sûr, Karel. Bien sûr. Donc, je voulais expliquer sur ce que Mémé a dit tout à l'heure. Madbengona, ma personne personnelle, on dit que le Bikouti, votre Bikouti là est pourri. Hein? Ma Karna, ma Diona, mon Nyon a belle infirigue. Tu parles de qui? Donc, ah, heureusement que toi-même tu es d'accord avec moi. Donc, ma mémé, n'accuse pas trop les femmes. Tu sais, il y a un côté négatif des hommes qui sont attirés par la gente féminine. Juste le côté négatif, c'est quoi? C'est que comme tu ne peux pas accepter tout le monde en même temps, tu fais beaucoup de jaloux. Ah, oh, pardon. Non, pardon. Parlez pas de lui dans le live, pardon. Ah bon, Karel? Ah, il a fait un pouce comme ça, hein? Pardon. Non, pas la force. Chacun va porter sa croix. Ah, Karel, ok. Ah, mémé, Coco aussi. Ah, ben, vous voyez que, comment il s'appelle, Benji ne dit pas des choses au hasard. Benji ne dit pas des choses au hasard. Donc, Claudia me met dans le Ndavekoro. Et elle me dit qu'elle va continuer à se voir dans le Ndavekoro, mais elle ne se présentera jamais. Quel bonbon. Tu as compris? Non, tu dis le bon. Claudia me dit qu'elle est dans le Ndavekoro. Le dernier Ndavekoro, elle nous a servi. Et on va se revoir au prochain Ndavekoro. Et elle va continuer à nous servir sans se prononcer. Vraiment. Maman. Vous êtes le vrai FBI. Elle nous a servi le dernier Ndavekoro. Je peux voir. Qui c'est? Ok, mémé. Donc, je tu vois donc que. C'est Maman Claudia, je vois déjà qui tu es. Donc, tu vois que ce que Benji a dit, il n'a pas tort. Mais je disais que le mal dans ça, ce qui peut faire aujourd'hui que toutes ces femmes-là. Je vais aussi te suivre en retour. SNCF. Ce qui peut faire aujourd'hui que toutes ces femmes-là soient loin d'Aïdjo parce que il a sûrement déçu certaines. Faites aussi comment on fait sur le côté. Vous voyez, non? Il a sûrement déçu certaines et vous connaissez. Vous connaissez la colère des femmes quand une femme est fâchée. Surtout quand elles se mettent toutes contre toi. Quand elles décident de se mettre toutes contre toi, c'est dangereux. S'il a goûté là-bas, et après, il a laissé tomber tout le monde. C'est normal que personne ne se prononce. Hein. C'est ça. Et surtout comme lui, il était très discret. Hein. Merci pour les cœurs. Il n'officialisait pas ses relations. Hein. Merci. Tu ne savais jamais où il est exactement. Il était là comme ça. Quoi. Il était là comme ça, l'artiste que tout le monde aime. Mais c'est juste les femmes. C'est juste les femmes entre elles qui savaient les guéguerres qu'elles avaient. Je vois que Chupinet d'amour a rejoint. Comment tu vas? Lorisa, comment tu vas? Ça va? Blanche. Ok, Karel, tu vois, il y a des gens qui suivent. Donc, il y a des gens qui font le relais. C'est pour ça que j'ai dit que je dis, sans même avoir vu tout ça. Elle a les cheveux blancs. Madame Essence, quand on fait deux lives en même temps, c'est un peu compliqué. Hein. Pourquoi je suis peinée d'amour? Comment tu vois? Moi, je suis sur Facebook, elle est sur Blanche. Elle est sur TikTok. Ta fille Choupinette est là. Salut ta fille Choupinette. Et ça perturbe un peu. Qu'est-ce que tu as fait en live demain? Donc, vous voyez, Choupinette, c'est où? C'est ici à TikTok. Oui, voilà. À TikTok. Donc, vous voyez que... Oui, bonjour. Ah, mais Marthe, tu as aussi suivi ça, hein? Bonjour, vous voyez, papa Tagne. Nous, on est en retard.
Donc vous voyez, donc quand on fait des analyses intelligentes, on tombe sur des faits qui ne trompent pas. Papounet, maman est très bien avec sa coupe blanche pinda. Merci. Voilà. Donc vous voyez, donc Benji n'a pas tort. C'est chaud. Moi seulement, le simple fait d'avoir vu la vidéo d'Aïdjo, la vidéo, sachant que ce monsieur a été hospitalisé par les hommes, il a été hospitalisé, pris en charge par les hommes, au CHU toujours à Yaoundé, et que des années après, c'est le même monsieur qu'on retrouve aussi amaigri comme il est, avec cette eau chaude là, l'eau, quand tu t'as dit l'eau là, elle était bien chaude. Lui-même, il dit c'est ici. Tapez ici. Allez regarder encore la vidéo. Vous comprenez que on peut nous parler d'hôpital, on peut voir le ventre rond, on peut voir. Ça te rajeunit. Une vieille maman, 48 ans. Donc, maman, justement, on demande à maman. Elle ne veut pas me laisser faire le direct. Donc, je vais seulement devoir vous laisser. C'est gentil. Oh, merci Choupinette pour les cadeaux. Merci. En tout cas, moi, je ne suis pas médecin, mais une chose est sûre. Merci beaucoup. Une chose est sûre concernant le maraboutage. Les artistes de Bikoussi ne baignent que dans ça. La petite fille, elle va voir. Nya, comment c'est sa nuque qui fait mal? Petite fille a 12 ans. Claudia me souffle. Souffle, souffle le piment sur ses yeux, me perturbe. Allez, pas me laisser boire ton truc là. Ça m'a réveillé. Ça m'a réveillé les babysons. Ah bon, maman, merci. Merci pour les cœurs. Merci. Mais Karel, la cirrhose de foie tue, hein. Attends, c'est clair que ça tue. C'est clair que ça tue. C'est pour ça que je dis que je suis pas en train de diagnostiquer que c'est la cirrhose, c'est pas la cirrhose, mais je veux dire que dans la tradition africaine, même quand on veut te tuer, on te tue à la base avec une maladie. Hein. Donc, de toute façon, il ne peut mourir que de maladie. Il ne peut mourir que de maladie, hein. Il faut bien que, faut bien qu'il y ait quelque chose devant. Merci. Faut bien qu'on ait une maladie. Mais, voilà mon nom. Je pense quand même que tout ce qui se passe n'est pas anodin. Bonjour. Bonjour, Papoun. Mais on ne voit pas ton visage, c'est comment? Mais il faut moi, je ne sais même pas comment faire. Mais tu as découvert comment? J'ai lancé la paix, mais dans le visage là. Parce que je vais montrer mon visage. Moi, je suis connu, Papoun. Tu me connais même très bien parce qu'on s'est vu chez Tatana avec Mamoun. On s'est vu chez Tatana? Oui, avec Mamoun. On s'était vu, non? Okay. C'est moi la fortune. Ok. Ok. J'ignore la fortune de vous. Okay. C'est moi, Marie-Charline Dougou. C'est mon vrai nom. Ah, ok. Je ne savais pas. Voilà. Mm-hmm. Marie-Charline Dougou, c'est mon vrai nom. Sur l'acte de naissance, Menudjona, je m'appelle que Marie-Charline Ndougou. Justement, mémé, moi-même, je vois là sur l'histoire là que tu sors de l'hôpital, tu vas te faire chauffer. L'eau là était bien chaude. Quand tu vois comment on fouette ce monsieur là avec de l'eau, elle est bien chaude. Qui rit ici là? Merci. Bon, je vous laisse alors parce que les gens disaient que moi, je vous laisse au pardon. Je venais dire à Mamoun que pardon, laisse-moi avec Papoun. Nous, on est en train d'écouter le direct de Papoun là. Voilà, si tu veux y la sieste sur le cocotier. Pardon, attends d'abord la nuit. Après, tu vas aller faire la sieste avec Papoun. Hein, ma? Voilà. Elle a compris. Mamoun. Hein, Mamoun. Tu vas aller faire la sieste après. On écoute Papoun. Ok, je sors. Mais pardon, prends ta fille, la fortune. Non, je sors. Mémé, pardon. Elle me met les parties. Mémé, pardon, récupère ta fille la fortune. Elle me met les parties. Exactement. Allô? Ik ben in live. Also. C'est le bâton. Comment on a promis le bâton? Il faut qu'elle mange le bâton. Depuis la maman, je veux le bâton. Allez, prenez vos bâtons, vous montez. La personne qui l'a dit, c'est vrai. Quand tu es dans l'état où ce monsieur est,
Tu prends tout ce qu'on te propose comme soin. Hein. Tu prends, ça c'est clair. Ouais. Tu prends. Tu prends. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est Benji là. C'est Benji qui m'intéresse. Si quelqu'un a ses coordonnées vraiment, donnez-les-moi, moi je vais l'appeler ou alors s'il peut me contacter. Moi j'ai vraiment envie de causer de façon franche avec lui parce qu'il en sait beaucoup. Mais exactement, c'était comme l'eau qu'on tape sur les femmes enceintes. Elle était bien chaude. L'eau là était bien chaude. Carrel. L'eau là était bien, bien chaude. Donc les artistes de Bikutsi ne vont pas, au moins. Voilà, Rosita. Voilà la Rosita. Mais je dis qu'il connaît. Benji, j'ai quand même appris que c'est un communicateur, non, ou bien un journaliste. Donc il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Okay. Allez, monte avec ton bâton. Tu laves les mains, tu montes. Mais bien sûr, mais on soigne tout ça, non? On soigne tout ça. Et c'est un monsieur qui est malade depuis longtemps. Il est malade depuis longtemps. Si lui-même a accepté d'aller partout, ça veut dire que... Ça veut dire qu'il y a sûrement quelque chose. S'il a accepté d'aller partout, là, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Hein. Moi, c'est la discussion qui tournera autour que c'est pas de la sorcellerie, il faut à tout prix qu'il aille à l'hôpital. Pourquoi on insiste sur ce fait? Et les propos de Benji, il se base sur quoi pour dire tout ça? Karen William, toi tu parles de quoi? Il y a des gens qui sont morts, on a pointé du doigt à certaines personnes, toujours dans le monde artistique. Il y a des gens qui sont morts, on a dit que c'est elle qui l'a tué. Wendy Chloé, comment tu vas? Moi j'ai assisté à des empoisonnements au carrousel, on a dit que c'est elle qui a gâté le micro. Mais si c'est nouveau. Il n'y a rien de nouveau dans ce truc-là. J'ai dit à Carousel, un micro, le mec monte, il chante. Après, là, il rentre dans les loges, là, il commence à vomir. Il commence à vomir, on dit que... Ah. Appelez-moi Djoudjou Kalaba, il était tout à l'heure dans le live, il est où? Allez me biper Djoudjou Kalaba, s'il vous plaît. Joana, est-ce que c'est le vrai Djoudjou Kalaba? C'est le vrai Djoudjou Kalaba? Non, c'est un faux profil. Ah bon? Oui. Tu es sûr? Si. C'est un faux profil, c'est pas le vrai Djoudjou Kalaba. Jamais. Ah bon? Non. C'est un faux profil. Ah, je croyais que c'est le vrai Djoudjou Kalaba. Bonjour Mimim. Parce que lui, il est dans le milieu, il connaît. Non, c'est un faux. C'est un faux profil. Donc, dans tous les cas, demain, on va en parler. Il faut privilégier le talent. Autant on parle de marabout dans le football, autant on parle dans la musique, plus précisément dans le Bikutsi. On a écouté, parce que là aujourd'hui on parle du Bikutsi. Mais il y a même des artistes de Makossa qui ont même donné les noms d'autres artistes que l'autre là a voulu faucher ma carrière dans les histoires de nuit. Je parle même du Makossa. L'autre a pris mon nom, il l'a amené là-bas. Rosita, la Rosita, exactement. Tous sont d'Engueme. Tous. Merci, Wendy. Ou alors la majorité. Merci, c'est gentil. Parce que si la magie faisait seulement éclore quelqu'un, est-ce que tu as besoin de chanter? Tu fais ta magie et tu dors, non? Tu fais la magie, là. Tu vas voir là où on fait la magie, là. Tu n'as pas besoin de te balader. Alors, tu n'as pas besoin de faire le tour du monde. Dans des voyages avec des fuseaux horaires, je ne sais pas quoi.
Si la magie là, tu dors dans ton lit, la magie opère, non? Le numéro, c'est le 0049 150. Exactement, il faut mettre le talent devant. 16 66 85 35. 0049 152 16. Merci, tu le chéris, Jarin. Le chéris, tout le monde dit que tu déranges mon live. Le live a d'être trop long. Tu es là fatigué. Voilà. Elle dérange mon live. Elle est là fatiguée. Attends. Ok, je vais répéter. Elle dérange mon live. 0049. En tout cas, je vous ai toujours dit que je n'aime pas rentrer dans ces lives. Non? On va faire notre live demain. Voilà. Mon live, c'est demain samedi. Hein? On va diagnostiquer. Je ne peux pas taper, hein? Je ne sais pas pourquoi. Venez sur TikTok. On va aller sur TikTok. On coupe ici, on est sur TikTok. 0049. On va faire notre live demain. 154. Mais en attendant, on souhaite quand même une bonne guérison à Mamadou Aïdjo. Bien sûr. Vous avez fini? Non, ça c'est, Karel, ça c'est le vin que j'ai pas fini. Ça c'est du vin rouge que j'ai pas fini. Et ça, c'est du cognac que ta maman m'a servi. Maman, 0049. 152. Mais il y a quel autre dossier? 16, 66, 85. Ma fille, 35. Mais il y a quel autre dossier encore? Mémé va t'appeler. 0049, 52, 16, 66, 85, 35. C'est très joli. Mais c'est rare, c'est des pièces rares. Enfin, trop de design. Mémé, il y a quel autre dossier? Digestive Hoha. Bois Nongo. C'est pour le cognac. C'est coupe en cognac. Ok. Pulserie dit que la femme dérange toujours celui qui est Ndolo. C'est la faute du Ndolo. C'est ce que j'ai même compris. Il va couper. Venez sur TikTok. On est sur TikTok. Dans la famille. Venez sur TikTok. On souhaite une prolonge guérison. C'est la joie. Oh, mémé, merci beaucoup. Donc, tu es dans mon live demain, c'est bon. Avec toi, confiance assurée. Avec toi, confiance assurée. C'est le patron que vous mangez comme ça. Donc, on se dit à demain. Et comme j'ai dit, si quelqu'un a le contact de Benji, vraiment me le filer. Bonne massa. Et puis, comment tu vas? Ou alors, si quelqu'un peut le biper, qu'il essaye de suivre le direct et qu'il m'appelle, j'aimerais bien échanger avec lui. Je crois qu'on parle de quelque chose d'existentiel dans un milieu que nous tous nous apprécions, qui est, je veux dire, la musique bikuti qu'on aime beaucoup, et même les artistes et bikuti qu'on aime. Donc, quand il se passe des choses comme ça, il est tout à fait normal d'en parler. Sans toutefois peut-être indexer du doigt un tel ou un tel, mais qu'on parle au moins ne serait-ce que de ce qu'on voit, de ces artistes-là qui sont acharnés et qui ne parlent que des histoires de marabouts. Ces artistes-là qui ont certaines arrêté leur carrière en disant que c'est la cause du marabout. Et ces artistes-là qu'on a vus, c'est-à-dire ici, là, devant nous, se prendre la tête en expliquant que toi, tu maraboutes pour tel ou pour tel. Donc c'est normal qu'on en parle quelquefois. Sur ce, la famille, on veut aussi voir tes yeux, le Père. C'est le vous voulez voir mes yeux? Non. Attends un peu. Karel William. Je ne parle pas à l'autre là. Vous voulez voir mes yeux? Bon, ok. Je vais enlever les lunettes. J'enlève les lunettes. Hein? Karel. Jamais. Vous voulez voir mes yeux? Non, non. Allô, stop, hein? Je pose des salés. Attends, Karel veut voir mes yeux. Non, Karel ne peut même pas dire oui. Karel, elle dit qu'elle veut voir mes yeux. Regarde dans mes yeux. Karel ne peut jamais dire oui. Regarde mes yeux, j'ai enlevé les lunettes. Voilà les lunettes. Mais on voit bien tes yeux. Hein? Voilà mes yeux. Hein? Voilà, tu vois tes yeux. Oui, oui, c'est bon. Karel, voilà les lunettes que j'ai enlevées. Il montre ses yeux. Hein? Tu as dit enlève les lunettes, j'ai enlevé les lunettes. Non, je n'ai dit non, mon papounet, ne montre pas tes yeux. Tu as dit enlève les lunettes, voilà les lunettes, non. J'ai enlevé les lunettes. Voilà. Maintenant, je peux couper le live, n'est-ce pas?
Voilà. Maintenant, il peut couper, non? J'ai enlevé les lunettes, non? Tu voulais que j'enlève les lunettes? Et il t'a envoyé sur TikTok. J'ai enlevé. Donc, vous avez le scoop. J'ai enlevé les lunettes. Hein? Donc, okay. Voilà. On s'est dit à demain, la famille. Hein? Elle est morte de vie. Un bon carré, bisous là-bas. Ok. One peace. One love. We are together. On a bien mangé, on a bien bu. À demain. Bisous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.